coucou, coucou, merci, merci Vermine, merci Nuki, coucou Nuki, merci d'être là, comment ça va, merci pour le sub. Je peux même pas faire mon intro normal dès le début, vous êtes déjà trop gentil, trop cool. Comment tu vas Nuki? Je t'entends pas. Hop, ça va nickel. Je disais, je me demandais si c'était moi ou si c'était Charlie qui allait streamer parce qu'il est déjà en train de taper l'incruste sur mes genoux. Mais il est trop chou, Charlie. Il est trop trop chou. Mais je pense qu'il est là pour accueillir notre copain Robin. Robin, Ouais. c'est la deuxième fois que tu viens. On est trop content que tu sois là. Salut. Alors Robin, pour les personnes qui ont pas été là au début, il est venu la première fois pour nous parler d'une vidéo qu'il avait sortie sur les femmes dans l'armée rouge. Robin, lui, il est spécialisé dans la vulgarisation historique. Je crois qu'on dit plus particulièrement l'histoire populaire, c'est ça? Ouais, ou histoire publique. Histoire publique, pardon, c'est ça. Histoire Ouais, publique, je suis nul. L'histoire non, non, publique. bah c'est pas hyper hyper connu. Non, Hein, mais tu l'avais dit la première fois, tu vois. Je. Coucou, ce boubinours. Comment tu vas? Hello, les gens. Et là, il nous fait le plaisir de revenir parce qu'il a sorti une dernière vidéo sur Andor, la série. Et il va nous expliquer en quoi, peut-être, on va voir, en quoi il y aurait des inspirations historiques et de quoi il en retourne. Bonjour, Feather51. Feather, pardon, je lis pas très bien de loin. Heather, oula, tu vois, j'invente des barres là où ils ne sont pas. donc tu as sorti une dernière vidéo, tu l'as faite avec Bolshegi, qui me semble. Tout à fait, c'est ça. Coucou Wolf. Et donc là bah tu nous fais vraiment plaisir en revenant, c'est trop trop cool. On va pouvoir parler de tout ça. Bah tu sais, juste avant, vous savez juste avant. On était en train de discuter un peu de la soirée d'hier, parce qu'on a reçu, des dragues qui nous parlaient un petit peu de leur manière de militer, etc. Et il paraîtrait que Robin a un lien vers des dragues Star Wars. Et ça, c'est trop bien. Alors, tout à fait. Alors, je ne veux pas vous décevoir, y a pas, sur la vidéo, il n'y a pas de drague Star Wars. C'est pas un spectacle. Mais c'est des gens qui parlent de drague et de Star Wars. Voilà. Alors c'est en anglais par contre. Mais c'est un panel qui a eu la Star Wars Célébration cette année. Et ça parlait du drag queen C'est et trop de trop bien. Star Wars. Donc je sais pas exactement ce qu'ils ont dit parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller à ce panel là. Mais je me suis dit que ça. Comme du coup t'as parlé de ça hier, on peut Moi faire je le me lien mets entre ce les deux. lien Bim bam de boum. côté Tu gères. précieusement. Tu gères. Il y a plein de gens que ça va intéresser, hein. Il y Grave. a plein de gens que ça va intéresser de fou. Mais oui, ça du coup, t'es complètement fan de Star Wars, c'est pour ça que t'as choisi ce sujet. Ça peut se voir éventuellement un peu derrière. On va pas très très bien, mais tu peux nous montrer des trucs. T'es là pour ça, fais ta plaisir. Attends, j'essaie de que ce soit pas que je vous voyais pas le bordel en même temps, mais. On connaît ça. Attends. T'inquiète. Je vais mettre le. Ça joue un peu plus. Non, j'ai pas beaucoup de portée. Et Voilà. pendant ce temps, je Là, vous voyez rappelle, un il y peu a là. Heather qui disait que il ou elle a trouvé ta vidéo super et que ça lui a Ah, bah donné c'est envie très gentil. de kiffer la série davantage. Merci beaucoup, Isor. Ça fait plaisir. Voilà, vous voyez deux, trois trucs ici, là. Un petit Falcon. Ça veut rien dire. Un petit casque. Un petit AT-AT, ouais, tout à fait. Ma photo dédicacée d'Anthony Daniels qui est juste là. Voilà, ça fait plaisir. Bon, je peux pas vous amener beaucoup plus près parce que j'ai pas assez de câbles. Désolé. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. On voit que t'es un vrai fan. De toute façon, t'as un côté geek assumé. Tu fais beaucoup de Oui. références au jeu, à ce genre de choses. À ce qui Tout à paraît, fait. t'aimes beaucoup. Comment il s'appelle le Dark Souls-like, là, le plus récent. Ah, Elden Ring? Voilà, Elden Ring. Ouais. Je perds mes mots, moi. Des trucs... Tout le monde en parle et pourtant je perds. Tu t'aimes bien les jeux vidéo Star Wars. T'es vraiment ton truc, quoi.
Tout à fait, ouais, Elden Ring. Alors que je suis pas un gros un acharné des Dark Souls, j'ai dû faire, je pense que j'avais fini que le 2 avant. Et encore avec beaucoup de difficultés. Comme beaucoup de gens, Ouais, bah, moi ma stratégie c'était de farmer les zones jusqu'à ce que les ennemis ne respawnent plus. Et comme ça, du coup, après j'avais beaucoup de niveaux d'avance et après j'ai fini le jeu beaucoup trop haut niveau pour ce que pour ce qu'il D'accord. fallait, pour ce qu'il fallait, et c'était plus facile. Alors moi, je te Mais ce propose. qui était bien avec Elden Ring, c'est que j'ai pas eu besoin de faire ça pour finir le jeu. J'ai pu. Alors moi, je propose une st nos stratégies pour battre le jeu, c'est de ne pas y jouer. C'est une solution. Non, mais là en plus, ils ont développé un mode sur Elden Ring qui permet de jouer en coopération tout le temps. Parce que normalement, t'as des limites pour la coopération, tu es que dans certains endroits, etc. Et là, on peut jouer comme si c'était un jeu coop entier. Et du coup, je le refais avec un copain et c'est super de refaire le jeu. C'est beaucoup moins dur, évidemment, parce qu'on est deux tout le temps et du coup, des fois, les mobs, on les éclate parce qu'on est plus nombreux qu'eux, quoi. Mais c'est marrant. Voilà. Moi, je joue pas pour le challenge, je joue parce Oui, que pour le le jeu fun. est cool, quoi. Voilà, c'est ça. Et refaire le jeu à deux, même quand on connaissait, c'est très sympa. Nuki, elle a pas trop le temps de jouer, je crois, en ce moment, mais elle a une chaîne Twitch qui est super cool où elle présente son propre jeu de cartes, son propre jeu bon, divinatoire entre guillemets, mais c'est pas trop le but. C'est surtout de discuter avec des gens et où elle fait des reacts sur les Drag Race Suède en ce moment, il me semble. Donc, n'hésitez Ouais, pas à jeter. on est méga à la bourre en fait parce que j'ai pas trop streamé ces derniers temps et je sais pas trop si je vais streamer dans les jours à venir. Par contre, je fais des streams sauvages en ce moment où je gribouille pas mal. Donc, si vous passez, vous risquez de me voir gribouiller. J'attends en fait avec impatience le début de Drag Race France, deuxième saison, pour pouvoir react avec impatience. Et Tu me réserves une surprise d'ailleurs pour ce premier Ouais, React. ouais, ouais. A priori, c'est confirmé, mais de toute façon, jusqu'à la dernière minute, j'attends de voir quand même que ça ne me fasse pas faux bond. Mais ouais, non, j'espère que j'aurai un petit peu de guest sur cette deuxième saison de Drag Race pour React avec moi. Donc voilà, on fait ça à la cool, chill, avec bienveillance et surtout en essayant de décoder certaines choses, de débunker d'autres et puis surtout de mettre en avant. Tous les aspects positifs de la scène drag et tout ce que toutes les choses intéressantes et empouvoirantes que peuvent dire les drags, que ce soit aussi bien à destination de la communauté LGBT que la communauté hétéro, parce que je trouve que les messages que posent les drags parfois, ben, ça peut aussi aider les Z6 à se déconstruire un petit peu et c'est pas mal aussi. Ça aide beaucoup de gens. C'est une forme de. Oui, tout le monde a un genre, comme disent Booby. De toute manière, tout ce qui est militant pour ce genre de choses, c'est utile. Et en parlant de militantisme, moi, je vous propose de jeter un œil au Ko-fi de Robin. Parce que lui, alors, il précise qu'il est spécialisé dans l'histoire. Politique, mais aussi dans l'histoire militante. Plus il est soutenu, plus il peut sortir de vidéos super utiles comme ça et qui nous permettent à nous d'apprendre des choses facilement. Est-ce que je peux annoncer le prochain thème de ta prochaine vidéo ou pas? Tout à fait, vas-y. Enfin, tu peux ou l'annoncer toi-même, hein. Bah, c'est comme tu veux. Vas-y, c'est ta vidéo, fais-toi plaisir parce T'as que dit, c'est moi. tu vas le Oui, faire, vas-y. enfin, je peux dire oui. Non, je sais pas parler, je sais pas parler, mais je suis trop enthousiasmé. Écoute, j'espère que ça va se passer. Du coup, la prochaine, normalement, ce serait pour parler de l'histoire de la première grève Oh. documentée dans l'histoire. Voilà, donc Trop, en trop Égypte bien. antique. Trop, trop Énorme. bien. Il me semble que ça en avait parlé sur la chaîne Nota Bene rapidement, non? Je crois qu'il aurait évoqué rapidement le sujet, ouais, mais c'était vraiment rapide. Là, je vais faire un truc un peu plus vraiment focus dessus, parce que lui, il me semble qu'il l'a évoqué au sein d'un autre sujet plus large. Moi, Non, je mais voulais c'est bien, vraiment c'est avoir total la suite, quoi. d'actualité, c'est tout à fait le genre de sujet dont on a besoin. Oui, voilà, c'est ça, c'est d'actu, et puis voilà, comme ça, je reste sûr de l'histoire politique, ça me va, ça me Et puis convient. Nota Bene, on l'évoque, mais tu travailles un peu avec, il me semble, hein. T'as écrit quelques vidéos. Tout à fait, ouais. J'ai réécrit encore récemment là deux vidéos pour lui en ce début.
début 2023. Nice. Eh ben, dites-vous que quand vous regardez des vidéos de Nota Bene, parfois c'est Robin qui les a écrites. Voilà, bah, Canon. c'est écrit quand c'est moi. Voilà, il le dit à la fin. Oui, en général, il crédite les gens, enfin, même Ah toujours. oui, il crédite les gens, c'est rémunéré de manière hyper réglo. C'est très agréable de travailler avec lui. Grève et casserole, comme dit Kane. Oui, il a l'air très sympa. Alors, moi, ce que je vous propose. Ah bah, et vous allez voir que, Pardon. alors, spoiler, mais on va parler casserole dans la vidéo tout à l'heure. Allez. Voilà. Alors, c'est Allez. dommage parce que j'ai sorti avant que les gens commencent à utiliser des casseroles pour faire chier Macron et les ministres, mais dommage, dommage, parce que vraiment, on en parle. On peut dire Trop que c'est bien. toi qui les as inventés. Alors, non, pour le coup, mais... T'es le précurseur, pour nous t'es le précurseur. D'accord. Voilà, visionnaire comme le dit Kane. Visionnaire. Alors je vous propose, avant d'entamer la vidéo, de regarder deux petites choses. Donc la première chose, c'est une vidéo de nos amis les paillettes. C'est notre groupe. Slash troupe slash collectif de drague préféré ici. Yeah. Une courte vidéo, elles refont du sexy sushi. Ensuite, comme d'hab, petite vidéo animaux. Et on va attaquer le dur de la soirée avec la vidéo de Robin. On y va? C'est Ok. Ok. Alors, les amis qui sont avec moi, Nuki et Robin, je vous stream en parallèle sur Discord pour que vous soyez coordonnés avec moi. Ah oui, pas bête. Une fois que c'est bon pour vous, vous me le dites. Et C'est bon. dans les Tout gens à du fait. chat, si jamais il y a un problème de son ou autre, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que je ne suis pas toujours au point tout de suite. Ce qui est normal, ça s'appelle le direct. On y va. Cette ouverture à la James et les hologrammes, quoi. Meilleur anniversaire. Drapeau de la manif pour tous. Ah, il avait pas capté. Je vais faire une interview, Effectivement. je prends le micro. J'ai l'impression. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Oulala, c'est contre nature. Oh. Pas du tout. J'ai un peu plus trop de doute là. Connaissez les homosexuels? À l'âge de 7 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Je m'en rappelle très bien, mais c'était contre la nature, en vrai. J'avais déjà vu la vidéo de la meuf, c'est contre la nature. Elle est juste anthologique, cette vidéo. Ouais. Mais vous réagiriez comment si votre fils était homosexuel? Oh là là, je chercherais à lui venir en aide, parce que c'est vrai qu'en souffrance, ça va aussi, oui. Mais c'est une icône gay, oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà vu deux femmes homosexuelles s'embrasser? Oh, mais non, c'est personne en honte, on en public, enfin, j'espère. Vraiment qu'elles vont pas s'embrasser? Trop bien l'intro.
énorme. Légère. Grave. En train de dire, mais de quoi il parle? Mais c'est déliche là, devant! Énorme! Oh les mimiques, je kiffe! Lui, elle est grande! Hein. Incroyable, elle est vraiment trop forte. On kiffe. Hein. Oh putain, je pense que la prochaine fois, on va se mater un genre demain, on fera Game of Con. Je crois qu'on va se faire un. Du Mylène Farmer. Un. Oh, wow. Bon, on les garde pour les prochains lives. Hein. Grave, je pense qu'il y a trop moyen. On les garde pour les prochains lives. Putain, ça m'a enthousiasmé ça. Trop trop bien, on va faire ça. Donc je vous ai donné le lien, je vous le redonne, hein. N'hésitez pas à soutenir les paillettes même là-dessus, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas posté, mais donnez leur envie de reposter des trucs, donnez leur envie de reparticiper là-dessus parce qu'elles sont ouf. On va augmenter le nombre de viewers. Allez les petits pouces, des petits abonnements, ça va. Alors, le faire, c'est cool. En parlant d'amour, etc., de petits trucs tout chou, parce que moi, c'est ce qu'elle m'évoque. Moi, je vous propose là, comme vidéo sur les animaux aujourd'hui, une petite vidéo. C'est une caméra cachée sur un petit chien qui pétait une pile quand il était tout seul. Oui, ça n'a rien à voir. C'est trop chou. C'est insupportablement chou. J'ai vu ça hier. J'ai commencé à regarder, puis j'ai coupé. J'ai dit non, c'est trop chou. Faut que je la montre. Faut que je vous la montre, que je réagisse avec vous. C'est adorable. C'est adorable. Allez, vas-y. Il me fait penser à mon chat quand tu viens de casser les couilles. Sauf que lui, c'est à toute heure de la journée, hein. C'est un peu comme ton Charlie. Et toi, Robin, t'as un chat ou un truc? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ça veut dire que tu vas prendre un chat? Pas de chat, non, parce que ma copine est allergique, mais un chien, oui, ça. Ça viendra. En plus, je vois trop le truc où là, ils sont tout chill, tout mignons, et puis en fait, dès que les maîtres rentrent, ils se foutent sur la gueule de. C'est adorable. Et
ça se glisse dans les coins de ton coude, de ton genou, et ça fait des trucs comme ça. Oh, il est en train de le patouner. Il te réconforte en te marchant dessus, à gâton. J'adore. Les chats, ça trouve toujours le moyen de se caler de la façon la plus improbable qui soit, quoi. Coucou, petit gredin. Hello. Il y a trop de choupinitude là. C'est trop chou, c'est beaucoup trop chou. C'est incroyablement chou. Ça met de bonne humeur, ça aussi. On en a besoin. Ça met de super bonne humeur avant de sortir les casseroles. Alors, je suis le petit papillon. Oh, Ah, merci pour les bits. Oh. Merci, petit gredin. Sans d'un coup. Trop bien. Non, je vais peut-être remettre les sous-titres, peut-être. Oula. Tu peux, c'est des vrais sous-titres pour le coup. Ah, t'as. Je suis le petit papillon. Oh. C'est bon, il se déchaîne. Mettre des coups de bite là. Pas devant les invités, enfin. Seigneur Dieu, Vermine est choquée. Donc, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, les gens, à poser toutes vos questions à Robin. Bah, il est là pour ça. On Parfait. va, on va, on va, on va tout faire pour essayer de comprendre et d'aller plus loin, pour avoir le plus de réponses possible. Donc, tu m'avais dit, je sais pas si tu l'avais dit hors live ou au début du live, que ça t'avait pris plusieurs mois quand même pour faire la recherche d'informations. Ouais, ça m'a pris plusieurs mois, ouais. Bah, d'autant plus que faut bien que je travaille un peu à côté pour gagner de l'argent, parce que c'est pas avec YouTube que je gagne de l'argent. Du coup, ouais, ça m'a pris bien 2 3 mois, je pense. Ah, quand Ah même. ouais. Il y a une solution quand même, hein, si vous voulez que ça sorte plus tôt. J'insiste une dernière fois. Mais il a un coffee. Merci. Il a un coffee et c'est très très bien les coffees. D'accord, donc ça t'a pris Oh. autant de temps. Et ensuite, le fait de collaborer avec quelqu'un, c'est des choses qui sont venues comme ça de fil en aiguille, machin, ou t'avais déjà une idée que, comme ça allait tomber sur un truc politique, il fallait que tu travailles avec quelqu'un qui avait une expertise politique Alors, en fait, dans un premier temps, j'aurais voulu faire un truc avec un copain qui tenait une chaîne YouTube qui s'appelle Analeps et qui a fait beaucoup de choses sur l'analyse de la pop culture par un biais historique. Et c'est très très bien ce qu'il fait, c'est très poussé, c'est très. Tu peux mettre un lien si tu veux. Ouais, bien sûr, je vais essayer de trouver ça. C'est vraiment très bien, mais en fait, il a arrêté sa chaîne il y a un an et demi, 2 ans, je pense 2 ans. Et du coup, ça l'a pas intéressé de s'y remettre, même pour une petite collab. Donc, je me suis dit, mais en fait, Bolchevik qui fait ça tout le temps. Alors, lui, il parle pas tellement d'histoire, il parle plutôt de politique ou De de fiction aussi sujets un un peu peu. plus sociaux. Mais oui, voilà, mais il parle toujours de pop culture, quoi. Et
Pour le coup, j'avais pas pensé à lui en premier parce que je le connais pas, enfin je le connais pas personnellement, je l'ai rencontré une fois en convention vite fait, on a pris une photo et c'est tout quoi. Mais contrairement à Alexis de Analeps, bon là j'ai mis le lien sur le chat. Merci. Mais du coup, bah, je me suis dit, bah écoute, tu perds rien à lui demander, quoi. Il aura sans doute pas le temps parce que lui, pour le coup, il vide sa chaîne. Merci. Ils sont deux dessus avec sa compagne. Et du coup, bah forcément, ça prend énormément de temps. Ils sortent, je crois, moins deux vidéos par mois. Ils en sortent une pour le journal L'Humanité et une pour leur chaîne à eux. Ça fait beaucoup de travail. En plus, je sais qu'il a sorti un livre là récemment. Donc, il s'était en pleine dans la période où il devait faire la promotion de son livre et tout ça. Donc, je suis bon. Il aura sans doute pas le temps, mais bon voilà, je lui propose, ça mange pas de pain. Et il m'a dit oui tout de suite. Il a dit bah ok, je suis chaud. J'ai pas encore regardé la série, mais on m'en a dit du bien, donc je suis chaud, vas-y. Trop bien. Et du coup, il est fan de Star Wars lui aussi? Il aime bien Star Wars, ouais. Il est pas. J'ai cru comprendre que il n'est pas hyper fan des dernières productions qui sont sorties récemment. Mais en tout cas, oui, il aime bien la série. Sinon. Trop Après, bien. il avait déjà tout vu, tous les films et tout ça, quoi. Et du coup, la série en elle-même, c'est quoi vite fait? Alors, Sarah. Hein? Agathon dit personne n'est fan des dernières productions, donc de toute manière, ça le. Voilà. C'est. Ouais, il y a eu beaucoup de discussions sur les dernières productions. Alors, on en reparlera après si vous voulez, ok? J'ai des choses à dire. Et pas que du négatif, voilà. Il y a des positifs. Il y a des choses bien, vive The Last Jedi, merci. donc, du coup, je sais plus ce que c'était la question. Du coup, tu peux nous parler de la Excuse-moi. série en soi? Moi, Oui. je la connais pas, je l'ai pas encore vue. Oui. Alors, du coup, ça raconte l'histoire de Cassian Andor, qui est un des personnages du film Rogue One. Rogue One qui raconte lui-même, qui est lui-même un préquel de l'épisode 4, qui raconte comment les rebelles ont réussi à obtenir les plans d'étoiles noires, l'étoile de la mort. Donc, c'est en gros, vous voyez dans le premier Star Wars, les titres jaunes là qui défilent avec l'espèce de petit résumé de ce qui s'est passé avant. Bah voilà, le Rogue One, on raconte ce qui s'est passé là-dedans. Comment ils ont réussi à avoir les plans. Et Andor, c'est une préquelle d'une préquelle, du coup, parce que C'est ça. c'est l'histoire de Cassian Andor, qui est un des persos principaux de Rogue One. Et donc, on découvre comment il en est arrivé à être un rebelle, à devenir un révolutionnaire, quoi, en gros. Voilà, et vraiment, la série, le but de la série, c'est de voir le parcours de ce gars-là, qui part d'être un espèce de petit malfrat, petit bandit qui essaie de survivre en piquant des trucs à droite à gauche, et comment il devient un vrai révolutionnaire convaincu qui va aller jusqu'à donner sa vie pour la cause. Donc voilà, la série raconte ces deux saisons. La première, il n'y a que la première qui est sortie, et ça part de ce que je disais, et pour arriver, donc Tony Gilroy a déjà dit que voilà, la fin de la saison 2, ce sera bah, le début de Rogue One, quoi. Et je vois que dans le chat, ça commence déjà à se Oui. fight. Agathon qui dit j'ai détesté Rogue One et Jérémia qui dit cancel Agathon. Et en fait, j'allais rebondir là-dessus en disant que c'était une bonne façon de diviser la communauté en deux. Il y a les pro-Rogue One et les anti-Rogue One. Et clairement, enfin, moi j'ai ressenti ça quand Rogue One est sorti. C'était de voir ceux qui ne voyaient Star Wars que par le prisme du Jedi et des combats au sabre laser, et ceux qui voyaient dans Star Wars quelque chose d'un peu plus un peu plus large en fait, où on pouvait aborder aussi plein d'autres thématiques que je trouve à titre personnel hyper intéressantes. Et je suis une pro Rogue One. Enfin voilà, j'ai adoré ce film. Il m'a littéralement retourné le cerveau au point que j'en suis arrivée à dire, avant que la dernière trilogie ne sorte, que c'était le meilleur film de Star Wars depuis très 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 longtemps. Ben, je te crois sur parole. J'adore maîtriser le sujet du jour. Alors, je vois Scorch Fra qui dit qu'il a peur pour la saison 2 de
Andor parce que Disney va fourrer son nez dedans. Bah, Disney a fait la saison 1, donc Ouais, je pense je vois que pas Scorch. pourquoi. Enfin, moi perso, je croise les doigts parce que la première saison est juste oufissime et j'espère qu'ils vont garder le même la même vibe sur la deuxième, quoi. A priori, j'ai pu assister au panel sur la série à la Star Wars Célébration avec donc le réalisateur, les scénaristes et puis Diego Luna, donc l'acteur principal. Nice. C'est la même équipe qui reconduit. Ils avaient déjà dans la tête ce qu'ils voulaient faire, où est-ce qu'ils voulaient en terminer. Peut-être que ce sera pas aussi bien que la première saison, mais je vois pas comment ils peuvent vraiment se rater en ayant la même équipe, les mêmes gens qui travaillent là-dedans, les mêmes acteurs. Faudrait vraiment une catastrophe pour que ce soit raté, quoi. Peut-être que ce sera un peu moins bien, c'est possible, parce que la Donc quoi saison 1 qu'il était en soit, vraiment tout bien. était déjà écrit avant le début du tournage de la 2, ils savent déjà où ils vont quoi. Donc ça c'est bien. Oui, tout à fait. Alors il y a Agaton qui dit, pour être honnête, j'étais ultra hype pour Rogue One et je suis très très difficile avec les films, ok Agaton. C'est vrai, il est très difficile. Et Scorch qui dit, oui, plus dans le sens où Andor, gros succès critique car Disney a laissé champ libre à cette série secondaire par rapport à Obi Boba Fett. Ouais, Tout à ça se fait. sent, ça se sent. Ça se Il sent. y a beaucoup moins de. Enfin, je la trouve beaucoup plus intransigeante et beaucoup plus dure dans les thèmes et dans la façon dont ils sont abordés que Obi-Wan et Boba. Enfin, il y avait du potentiel sur Obi et Boba, mais du coup, enfin, Obi, j'étais à titre personnel très déçue. Et Boba, disons qu'il y a un thème, il y a une. Comment dire, une couleur très mafia gang et tout ça dans Boba Fett qui est assumée, mais qui me parle moins en tout cas. Il y a Ken qui surenchérit sur le côté les films séries Disney qui marchent. C'est les productions où Disney fout la paix aux créateurs, bizarrement. Oui, c'est vrai que j'ai cette impression-là où, par exemple, alors je vais sans doute diviser parce que c'est probablement le film qui a le plus divisé ces dernières années. Moi, je pense que Last Jedi est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et j'ai l'impression que pour le coup, Rian Johnson a eu une assez grande liberté sur ce film-là et il a pu faire un peu ce qu'il avait envie et. Alors, Voilà, ça ouais, marche. D'accord, hein. Franchement, je j'étais suis en train de me d'accord. remettre. Ouais, Last Jedi, on est d'accord, c'est l'épisode 8. Hein. Tout à fait, c'est l'épisode 8, oui. Et oui, je te rejoins. Enfin, au départ, je suis sortie du ciné complètement mitigée, mais en y repensant après, je me suis dit, je sais pas où ça va aller. Mais en tout cas, il vient de trickser le game de ouf. Et en ça, c'est génial. Et en ça, c'est génial. Et d'ailleurs, ça a été regrettable que, du coup, Oui. l'épisode 9 ait été repris par Abraham et que, du coup, les rênes étaient. Enfin, il a complètement cloisonné le truc. Et Tout j'ai à dit, fait. mais what? Pourquoi? On avait enfin un truc qui sortait du moule, quoi. Bah là, ouais, là, je pense que là, pour le coup, Disney a mis son nez dedans et vu qu'il y a eu un backlash, ils sont dit, ok, en rétropédalage, au lieu de continuer et d'aller jusqu'au bout de leur histoire. Ils ont essayé de revenir en arrière, résultat, les gens qui aimaient le 8 n'ont pas aimé, et les gens qui n'aimaient pas le 8 n'ont pas aimé non plus, Ah, ça a donc littéralement divisé la communauté, ouais, ça c'est clair. ratage total pour la fin. Enfin, je connais des gens qui ont aimé, donc tant mieux pour. Moi je fais partie des gens qui sont contents pour les gens qui ont réussi à aimer le 9. Enfin, moi tant mieux pour vous, hein, Le 9, tu sens un peu la marvelisation du système, quoi. Tu sens Ouais. le côté, c'est joli, c'est lisse, et il y a un truc qui m'a hyper frustrée sur le 9, il y a plein de nouveaux persos qui pop, mais qui sont pas du tout exploités, et voilà, c'est juste en surface, et tu te dis, mais c'est dommage, parce qu'il y a trop à faire, il y a vachement de matière avec ça, mais bon, c'est survolé, parce que c'est pas la finalité du film et que tu arrives sur un truc prévisible en fait et tu passes à côté du meilleur quoi. Ouais, tout à fait. C'est dur d'en parler sans spoiler. C'est compliqué, ouais. Mais disons que ouais, je pense que pour moi, le vrai problème
du 9, c'est que le 7 était un intro en matière sympathique, le 8, qu'on soit d'accord, moi je pense que Rian Johnson a vraiment, même si ça peut paraître contradictoire, c'est vraiment une continuation de par rapport à ce qui avait été apporté dans le 7. Et le 9, pour le coup, c'est pas une continuation, c'est un retour en arrière, et on revient, c'est la négation des idées qu'on a. Pour moi, il n'y a pas eu de construction, tu vois, même si c'est une évolution entre les idées, ce qui est proposé dans le 7 et ce qui est proposé dans le 8, c'est une évolution, mais pour moi, il y a eu une construction par-dessus, en disant, ok, je pars de ça et je construis par-dessus. Le 9, elle dit, non, non, on va pas construire par-dessus, on va revenir en arrière, on va enlever les briques et on va reconstruire autre chose à C'est côté. ça qui est super frustrant parce que le 7, c'est qu'un fan service. En fait, enfin, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dans ce sens en expliquant que c'était qu'un copier-coller du 4. Et ça marche plutôt bien, en fait. C'est vrai qu'on retrouve les mêmes codes, on retrouve beaucoup de choses, plus tout le fan service, les Easter eggs. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui te font dire, bon, ok, le 7, il a été fait juste pour raccrocher la communauté et pour dire, on continue, tout va bien se passer, faites-nous confiance. Et le 8, du coup, donnait enfin, pour moi, un truc de, on va pas vous refaire un première trilogie, on va pas vous refaire un deuxième trilogie, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Et moi, arrivé à la fin du 8, j'étais là en mode, mais comment ça va se finir? Parce que arrivé à ce stade, je vois pas d'espoir, en fait. Je vois pas de. Enfin, le 9, ça va être destroy total. Et quand j'ai vu que le début du 9, c'était juste rien à voir avec la suite, j'ai fait, ils ont complètement merdé. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'en fait, de toute façon, Abrams n'avait pas tellement d'idées. Il n'était pas prévu qu'il finisse, donc il n'avait pas spécialement d'idées sur quoi faire après. Et il a été mis en gros, parce qu'ils ont viré, comment il s'appelle, le mec qui a fait Jurassic World, qui devait faire le 9, donc qui lui, j'imagine, avait eu assez en avance les idées du 8, le script du 8 pour dire, ok, j'ai essayé de construire un truc par-dessus. Sauf qu'il s'est fait virer, et du coup ils ont ramené Abrams, qui a dû arriver un peu tard dans la production, et qui a dit bah, je sais pas quoi en faire, je vais revenir en arrière, et puis tu vois, alors que je pense que s'ils avaient pris un peu plus de temps, dit bon bah tant pis, on décale, on prend 1 an, 2 ans en plus pour réécrire, pour trouver des idées qui vont avec, pour trouver quelqu'un qui a envie de partir, qui a aimé de ce qui a été fait dans le 8 et qui a envie de partir de ça pour continuer, pour finir l'histoire. Et malheureusement, bah, j'imagine qu'ils se sont dit, bah, on a un calendrier à respecter, il faut qu'on sorte pour telle tranche, telle année, tel mois, et puis voilà quoi. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a choqué, c'est d'apprendre que scénaristiquement, le truc n'avait pas été. Il n'y avait pas de guideline, en fait. Il n'y avait pas de fil rouge. Et surtout, il n'y avait pas de conclusion. C'est-à-dire qu'ils sont lancés dans la production d'un truc sans avoir finalisé un scénar. Et ça, je trouve ça aberrant de se dire que il y avait. Enfin, voilà, ils sont partis d'une page blanche. Et puis. What the fuck, quoi. Et ça, justement, c'est pas respectueux de la fanbase parce que. Ça te donne une idée que tout est là pour faire du fric et que clairement c'est pas pensé en amont et en fait ils vont rebondir juste pour voir ce qui marchera le mieux, ce qui collera à la fanbase. Ils ont pas pris de risque en fait et je trouve ça un peu dommage. Je rebondis sur un truc qu'a dit Agathon aussi, proposer la force existe sans les Jedi. C'était déjà un peu proposé d'ailleurs dans le Rogue One d'ailleurs, cet aspect-là. Et moi c'est ce qui m'avait aussi beaucoup plu. Ça se bat Mais oui, je beaucoup dans suis. le chat, hein. Ouais, je vois ça. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens que je pense que ça aurait pu être bien sans avoir un plan établi complètement à l'avance. Parce que, par exemple, si on prend la trilogie originale, George Lucas, il savait pas, quand il s'est lancé dans le premier film, il savait pas où il allait. De toute façon, la preuve, c'est que la fin de l'épisode 4. Bah, ça peut être une fin et on n'aurait pu jamais avoir de suite et s'arrêter là. Et puis on va pas me dire que George Lucas savait que Luke et Leia étaient frères et sœurs au moment où il a écrit l'épisode 4 et l'épisode 5 où il y a une espèce de petite romance entre les deux qui s'embrasse. Je suis pas sûr qu'il savait que étaient frères et sœurs quand il a écrit. Oh, non, non, ils s'embrassent, c'est rigolo. J'aime aussi rigolo, ok. Voilà quoi. En tout cas, peut-être qu'il avait des idées, mais en tout cas, je ne crois pas que malgré tout ce qu'il dise, il avait déjà tout en tête. À mon avis, il y a des trucs qui ont été écrits, et pourtant le résultat est cohérent et tout ça. Donc après, c'est peut-être aussi comme il y avait un seul mec derrière. Mais en tout cas, ouais, le fait est que
C'est pas une réussite à la fin, quoi. Malheureusement. Alors sur ça, moi j'ai une petite question. On va juste revenir, enfin pas juste, on va revenir complètement en arrière. Ouais. Alors vous qui êtes fan de Star Wars, hein, je vois que ça vous anime, que ça vous avez une passion dévorante et c'est très bien. Et j'adore les gens passionnés. Je suis passionné moi-même, de manière générale. Qu'est-ce qui fait que Star Wars c'est aussi intéressant et comment lier Star Wars avec les questions historiques et les questions politiques? Qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose de particulier avec cet univers, cette série? Bah, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois complètement débile sur Twitter de la part d'une certaine frange de fans de Star Wars, Star Wars est politique et l'a toujours été. Quand on parle d'une bande de rebelles sous-armés qui vont combattre un empire maléfique dont les uniformes sont inspirés par ceux des nazis, bon, bah oui, c'est politique, hein. Il Et y d'autant a plus quand tu lis la première, enfin quand tu vois la première trilogie où t'as des factions, t'as un sénat, t'as, bien enfin sûr, c'est ultra politique. la prélogie, c'est la chute de la démocratie et l'avènement du fascisme. Dès l'origine, Star Wars, c'est politique, et même en dehors de l'aspect un peu évident, voilà, des rebelles contre un État. Un empire fasciste. Il y a aussi le côté guerre du Vietnam, qui était le premier film, c'est 77, hein, donc la guerre du D'accord, donc il y a Vietnam, un contexte c'est aussi pas de loin, quoi. sortie. Il y a un contexte de sortie qui fait que c'est pas si tiède que ça. Parce que de loin, pour Non. quelqu'un qui connaît mal, ça, moi ça m'a l'air d'être quand même assez tiède, assez entendu. Quoique, avec ce qui existe en France en ce moment, des gens, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui existe à Mayotte en ce moment, les opérations de flicage de personnes qui viennent des Comores. Enfin bref, c'est dramatique. Non. C'est vrai que c'est pas si tiède que ça. Juste Ouais. vouloir lutter Non, pour vite fait alors les droits de base humains. on pourrait se dire oui, c'est tiède pour dire bah les gentils c'est ceux qui sont pour la démocratie et les méchants c'est les fascistes. Alors effectivement on pourrait dire c'est fade, mais au final dans notre paysage politique aujourd'hui, dire que les fascistes c'est pas des gentils, bah c'est déjà pas mal. Parce que c'est pas une évidence pour tout le monde visiblement. C'est clair. Donc Après, voilà. au-delà du manichéisme américain traditionnel, je trouve que plus l'univers s'enrichit, plus l'aspect politique se complexifie, et plus justement ça devient de, enfin, et moins ça devient, ça, un, deux, trois, je vais y arriver. Plus ça devient de moins en moins manichéen, c'est mieux dans ce sens-là. Je dis ça parce que si on se penche sur, et là je vais rentrer dans la partie série. Mais si on se penche sur la série Clone Wars, déjà, on va aborder tellement de sujets, on va rentrer beaucoup plus dans la complexité politique, les implications de chacun des personnages, qu'on va arriver à un stade où même ce qui nous semblait être le bon d'un côté et le méchant de l'autre va commencer. Enfin voilà, ça va, les lignes vont bouger, il va y avoir de plus en plus de gris, les Jedi vont pas sembler si propres que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que ben, tout l'univers est beaucoup plus complexe que ce que les trilogies laissent à voir. Et alors je ne sais pas si c'est le contexte politique actuel, la liberté qu'ont pu avoir les réalisateurs à ce moment-là ou quoi, mais vraiment, avec ce que propose Andor en plus aujourd'hui, je trouve qu'on arrive dans quelque chose de... Ouais, vraiment de beaucoup plus complexe et qui laisse la place à plein de mouvements de pensée et d'idées différentes. Et c'est cool en fait. Et c'est vraiment chouette de voir que cette saga s'est complètement adaptée aussi aux évolutions de mœurs, aux évolutions politiques et historiques en fait. C'est assez plaisant. Il y a Kane Hunter qui dit le plus drôle, c'est que les films les plus politiques sont ceux qui y vont le moins frontalement dessus. Ok, on te croit sur parole. Peut-être que vous allez avoir envie d'en dire deux mots avant qu'on entame la vidéo. Et Agathon qui cite trois héros, un fermier, une princesse dont la planète a été détruite et un voleur. Enfin, un mercenaire amoral. C'est vrai que ça peut avoir un sens politique aussi de prendre ces figures-là et d'en faire des personnages centraux dans une histoire. Partir d'un fermier, ça peut
Ça peut raconter quelque chose. Je sais pas du tout, hein. En fait, je les Non, ai mais vus. En vrai, j'ai y vu a... des Star Wars. Alors que vous le sachiez, je croyais que ça allait suffire. Je les ai vus. J'en ai vu 6. Je les ai oubliés. Bah, tu as dû voir les le 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. C'est ce que j'ai vu, ouais. D'ailleurs, la prélogie. Ah, coucou Ali! Et coucou feuille étoile. Et il y a un gâton qui poursuit. D'ailleurs, la prélogie amène le problème du fait d'avoir une institution politique religieuse armée, très critique pour moi de la puissance des groupes blancs religieux aux USA. Ah, possiblement. J'avais pas vu cette C'est dimension-là, mais possible, très pertinent. j'y ai pas pensé, mais effectivement, ça peut être intéressant, ouais, à Carrément. creuser. Et même thématique dans KOTOR 2, les Jedi gris, dit Scorch. Alors, le KOTOR 2, c'est dans l'univers étendu, non? Ouais, c'est l'ancien univers étendu, ouais, tout à fait. Ok. Parce que du coup, là, sur cet aspect-là, moi, je suis moins calée. J'avoue que je suis pas une aussi grosse puriste. Mais il me semblait, enfin, j'en avais parlé avec des potes et on m'avait dit que justement le côté de Jedi Gris, il y avait un des personnages de Rogue One qui faisait un petit peu un clin d'œil à ça. Ah bah d'accord. Est-ce que vous voulez encore ajouter un petit truc en intro ou on commence la On vidéo? a fait une très très grosse intro. Je pense que si on ne lance pas la vidéo, on la regardera jamais. Je pense que déjà comment dire, je me maîtrise pour essayer de ne pas aller trop, parce qu'en fait je pense qu'on pourrait faire toute la soirée juste à parler Star Wars sans jamais C'est regarder la clair. vidéo, donc. Et bah, tu sais quoi, dans le pire des cas, un jour tu reviendras, on fera un truc sur Star Wars et autre chose. Tu seras invité pour parler de Star Wars en lien Ça avec un autre marche. thème. Donc on rappelle, le label Hérodote, c'est un label de personnes qui vulgarisent de l'histoire, c'est une sorte de revue de pairs en fait, en gros. Donc dans le monde scientifique en général, c'est plutôt gage de qualité. C'est vrai que la plupart des personnes que je vois dans le label Hérodote, c'est des personnes qui sont plutôt sérieuses, hein. Donc voilà, c'est C'est aussi. ça, voilà, on fait de la relecture, on s'aide entre nous. C'est ça l'idée. Il y a aussi cette dimension communautaire en plus d'entraide. Et c'est vraiment très cool dans ce genre de milieu de la relecture, l'entraide. Allons-y. Dites-moi hein, s'il y a un Je sais problème. pas si ça se voit, mais j'adore Star Wars. Et ça fait des... Alors, ça ne se voit pas. Grillé à Ça ne 15 000 se voit bornes. pas. C'est discret, hein? Grillé à 15 000 bornes. Ah bah du coup on voit mieux derrière toi. Oui, on voit un peu mieux, oui, c'est Ah vrai. bah du coup on voit mieux, en plus grand surtout. Je veux ton t-shirt. Bah tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque en commentaire en disant, il est où le t-shirt? Où est-ce qu'on peut Grave. l'acheter? Mais j'ai dû l'acheter genre en 2017 sur QWERTY, donc je pense pas qu'on puisse le racheter maintenant. En parlant des commentaires, alors ça c'est un autre truc que je dis à nos chers viewers. J'ai vite fait jeter un œil. Comme ça, regardez. Robin, c'est quelqu'un de super accessible. Si vous avez une remarque à lui faire, si vous avez des suggestions, si vous aimez son truc, vous pouvez être sûr qu'il va vous répondre. Hein. Là, ça se voit. Je vous remontre. Hein. Dans le pire des Alors, cas, il met un quart, quoi. j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir pas tant de réactions, tant de commentaires que ça, donc je peux le faire sans trop de problème, ouais. Mais il y a des commentaires auxquels je réponds pas, en général, c'est des insultes. Oui, mais Voilà, tu eux ils les as. dégagent et puis. Oui, bah oui, ça on y pense. Enfin, ça on le sait. On sait ce que c'est que Voilà. faire du contenu sur Internet. Hein. Ah, il y a Agaton qui aime bien ton casque, mais il préfère celui de Wedge. Ok. Comprends. Et Wedge, Big Z Wedge de Final Fantasy, ça vient de Star Wars? Tout à fait. Voilà, j'en apprends. Moi qui adore les Final Fantasy, vous voyez, même moi j'ai appris un truc. Oui, Bon, on y va. des années que j'ai envie d'en parler sur la chaîne.
Mais bon, faire une vidéo pour dire des choses que plein d'autres gens ont déjà dit, ça me faisait pas trop envie. Et puis, Endor est sorti, une série que je n'attendais pas du tout à la base, mais dont les trailers avaient fini par m'intriguer. Et effectivement, il y avait de quoi, puisque c'est une excellente série. Les acteurs sont impeccables, ça a vraiment de la gueule, le scénario est très solide, et puis surtout, c'est une série très politique. Et moi, vous me connaissez, les sujets politiques, ça m'inspire pas mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi que ça inspire ce genre de sujet. Quand on parle pop culture et politique sur le YouTube francophone, il y a une chaîne qui vient tout de suite en tête, celle du camarade Bolchegeek. J'ai donc été lui demander ce qu'il pense de la série. Bon d'accord, je dois bien l'admettre, Andorre c'est bien. Pourtant, c'est pas peu dire que la pelletée d'œuvres Star Wars pondues par Disney m'ont laissé perplexe, et avec la grosse impression qu'ils savaient pas trop quoi faire de cet univers à part des grosses thunes. Andorre, pour le coup, c'est un peu différent. C'est ce que vous dites ça aussi. Ce qui est cool dans Star Wars, à la base, c'est beaucoup ce côté mythologique qui se mêle à la SF, une grande fresque épique inspirée de tout un tas d'archétypes et de récits magiques. Cependant, c'est pas un scoop, cette dimension est toujours associée à une autre, plus politique. Évidemment, l'Empire renvoie explicitement au régime totalitaire, mais dès le départ, c'est pas juste pour rappeler les heures les plus sombres. Dans le contexte de l'époque, l'Empire, c'est aussi un peu les USA, et la crainte d'une dérive autoritaire sous l'administration ultra-conservatrice de Nixon. Vous imaginez bien que la résistance héroïque des petits Ewoks dans leur jungle contre une puissance impérialiste surarmée, quand la guerre du Vietnam est alors dans toutes les têtes, ça évoque des trucs. La prélogie, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, avait pour elle de raconter comment une démocratie en bout de course devient un régime totalitaire, rappelant la République de Weimar et l'ascension d'Hitler. Là, faut quand même que je fasse la remarque, c'est un truc qui m'agace, moi, perso. C'est les machins extraterrestrifiés, animalisés, quand c'est pour représenter d'autres peuples humains, ça me rend cinglé, ça. Ça, en revanche, ça me rend... Bah, après, c'est l'époque, c'est fait par des Blancs, ils ont l'habitude de le faire. Mais ça me rend vraiment fou. Vraiment, ça m'énerve. Faut que ce soit dit. Pardon? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment le fait d'utiliser un peuple qui ne soit pas humanoïde pour incarner justement... Ouais, voilà. T'as genre dans vous, on en a parlé vite fait quand on a fait la tier list des races. Genre la Pandarie, c'est une pseudo, c'est un truc d'inspiration pseudo-asiatique, tout mélangé. Ok, pourquoi pas, c'est de l'heroic fantasy, tu peux prendre des trucs de n'importe. Mais c'est des pandas. Je veux dire, tu joues un panda quand tu veux ne pas jouer un perso avec un background culturel occidental. Je sais pas si vous voyez le truc. Alors, pour le coup, dans Star Wars, je trouve que c'est l'idée de base qu'il y a derrière, c'est que en général, les personnes qui viennent de ce qu'ils appellent les mondes du noyau, donc les planètes un peu centrales, les plus importantes, donc eux, ils vont souvent avoir un accent, ça va être pas mal d'humains, et ils vont avoir un accent plutôt britannique, notamment les méchants, les impériaux. Ils vont souvent avoir un accent britannique. Souvent, les rebelles auront plutôt l'accent américain. Et il faut savoir que les Français, c'est des extraterrestres aussi. Les Twi'leks, c'est une race... Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, les Twi'leks. C'est ceux qui ont deux espèces de queues comme ça sur la tête, là, qui descendent. Les Twi'leks sont supposés être les Français. Là, tu les Twi'leks, c'est des Français. Si on regarde Clone Wars par exemple, les Twi'leks, ils ont un accent français en VO. Ah punaise, j'avais pas fait gaffe. Et Fuyeton le dit. les Twi'leks, ils ont en VO, les Twi'leks, ils ont un accent français. Et d'ailleurs, un truc amusant, si on regarde la série Rebels, il y a une des héroïnes principales qui est Hera, qui est une Twi'lek. Qui n'a pas d'accent, sauf dans un épisode où elle retrouve son père avec qui elle s'embrouille avec lui, quoi. Et au moment où elle l'engueule, là, pendant quelques répliques, on entend son accent français, donc un peu comme si elle avait perdu son accent à force de vadrouiller dans la galaxie. Et là, chez elle, face à son père, elle perd un peu son calme, et là, il y a l'accent qui revient. Et je trouvais ça assez intéressant de dire, c'est un accent qu'ils ont, cette espèce-là, sur leur planète, mais ils peuvent le perdre comme tout un chacun peut perdre son accent quand il va voyager, traîner avec des personnes. Mais ça peut revenir comme ça, sous le coup de la colère, ou en parlant avec quelqu'un de sa famille.
Ça, en Voilà, soi, il y a des idées comme ça qui sont. c'est bien pensé, ça, en soi. Mais après, c'est le même. Quand je dis le problème d'exotisation, d'animalisation, de ce qui. En s'inspirant de cultures humaines non majoritaires par le point de vue du créateur, c'est un problème récurrent qu'on voit pas que en science-fiction, hein. On voit ça En voilà, en fantaisie. fantasy, c'est un truc. Moi, je maintiens. Pour moi, c'est une horreur absolue. Mais enfin, après, c'est pas un combat principal, quoi. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, bonne question de feuille étoile, c'est quoi les Togruta du coup? Putain, mais oui. Les Togruta, c'est pas l'espèce d'Ahsoka? Si, si, mais justement, est-ce Non. qu'il y a une analogie avec les Togruta ou pas du tout? Je crois pas. Je crois pas. Parce que c'est vrai qu'Ahsoka, c'est devenu un perso qui a vraiment pris sa Ouais. place dans l'univers maintenant. Mais en fait, de toute façon, toutes les races n'ont pas forcément d'accent forcément appliqué, mais en tout cas, Saga. les Twi'lek, c'est le cas. Mais c'est vrai que oui, il y a des, par exemple, si on prend les Tusken, oui, c'est clairement inspiré de peuples indigènes et ce genre de choses, quoi. Et justement, je trouve que ce qu'ils en ont fait récemment dans Mandalorian et dans Boba Fett, c'était assez intéressant pour développer un peu cette chose-là, parce que c'est quelque chose que justement dans la trilogie originale, on n'avait pas du tout, vous voyez, ils s'étaient juste présentés comme des méchants, quoi, des gens qui allaient piller les braves fermiers et qui allaient les attaquer sans raison, etc. Et sauf qu'on apprend que bah, en fait, c'est eux les natifs de la planète, et que bah, c'est des colonisés, en fait, et que les autres prennent pour des agressions, c'est juste eux qui défendent leur territoire et qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Et là, ça a complètement remis en question ce qu'on pensait savoir de l'univers, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Clairement. Ah bah d'accord. Comme quoi, tu vois, c'est ce que je disais, ça se politise de plus en plus et ça met en lumière des choses qui étaient beaucoup moins visibles avant. On va relancer. Vas-y, vas-y. Cet aspect au destin d'Anakin, basculant en miroir du côté obscur de la Force. Et ben Andor prend ses dimensions par l'autre bout. Il s'inscrit dans cette dimension politico-historique de l'univers de Star Wars en évacuant la dimension mythologique. Résultat, on n'aura jamais autant vu la vie des gens du commun, de la classe ouvrière plus spécifiquement, sous l'Empire. Comment ce dernier est concrètement administré, comment se passe le travail et l'économie, et bien sûr, comment ce peuple peut se soulever et devenir révolutionnaire, loin des seuls grands héros aristocratiques de la résistance. Mais c'est super intéressant comme approche, en fait. Tout à Hell fait. yeah. C'est pour ça que la série est très bien. Mais c'est super intéressant comme approche. Moi, ça me rappelle, il y a une série très connue de début 2000 qui s'appelait Rome, qui était saluée par beaucoup d'historiens, machin. Mais en vrai, on n'y voyait que dalle à la vie quotidienne des vrais gens. On voyait. Alors, apparemment, hein, c'était bien documenté par C'est rapport très bien, Rome. C'est très très bien. aux connaissances de l'époque qu'on avait. Peut-être que plus tard, on saura que. Peut-être que plus tard, voilà, il y aura des choses qui seront démenties, mais en tout cas, à l'époque, voilà, c'était ouf. Mais c'était principalement Cléopâtre, César, Marc-Antoine, quoi. Mais là, c'est vraiment intéressant que ce soit pas une série historique, d'abord historique, enfin, mais inspirée de trucs historiques et qui retrace bah, la vie quotidienne des gens. C'est vraiment super sympa. Super Oui, sympa. et du coup, je pense que c'est ça qui en fait une série pour les gens qui ne sont pas spécialement fans de Star Wars ou qui ne connaissent pas très bien. Je pense que c'est un très bon point d'entrée parce qu'il n'y a pas besoin de connaissances particulières dans l'univers. C'est pas comme Mandalorian où il y a régulièrement des caméos d'autres personnages qui Ouais, viennent c'est vrai. des séries animées ou des films ou autre chose. Andor, il y a effectivement, on peut dire, si on pousse, il y a Saw Gerrera, il y a Y a Mon Mothma. un peu de background quand même. Et enfin, Mais moi, je c'est vraiment comprends. léger, je pense, je trouve. Alors, il y a quand même une certaine complexité dans Andor. C'est vraiment toutes les implications politiques qui a quand même, qui sont quand même assez énumérées dans les premiers épisodes. Enfin, moi, je sais que les premiers épisodes, qui sont vraiment des épisodes de mise en place de l'histoire, sont pas forcément évidents au premier accès. Il faut s'accrocher quand même pas mal. Sur au moins les 2 ou 3 premiers épisodes pour comprendre où est-ce que ça va et pourquoi
Il y a ce contexte-là, quoi. Ouais, mais du coup, en termes de connaissances Star Wars, je trouve que Ouais. y a pas vraiment de prérequis, quoi. On Non, peut se suffire de ce qui est expliqué dans la série, ça pose pas de problème. on comprend. vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de choses qui traversent la série. Je veux pas les citer pour chaque chapitre et pour chaque verset, mais c'est la révolution russe, c'est les montagnards, c'est tel aspect intéressant de la révolution haïtienne, c'est la ANC, c'est le siège de l'Irgun, la Palestine, c'est le Congrès continental, ça remonte tout. 3 000 ans d'histoire proprement documentée. L'esclavage, l'oppression, le colonialisme, les sales comportements, les trahisons, l'héroïsme. Je veux dire, c'est un continuum. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ce qui fait que ça marche surtout, un peu comme c'était le cas avec l'approche très matérialiste de Game of Thrones sur la fantasy, c'est que pour une fois, on a clairement affaire à des auteurs qui ont lu un peu d'histoire politique et connaissent leur sujet plutôt que de se contenter de grandes idées et de leçons de morale. Ah oui, je suis désolé, je recoupe là, mais ça c'était un truc, c'est un truc qui est fatigant avec Game of Thrones. Oui, je sais, maintenant on a le droit de critiquer la série, maintenant que les gens ont vu les deux dernières saisons. C'est que, comme le dit Bolchegeek, comme il l'insinue, vraiment, question politique, en vérité, c'était surtout, on avait l'impression d'être à l'émission C'est dans l'air, quoi, c'était des affaires de cours. On n'avait pas une approche vraiment matérialiste du truc, quoi. C'était vite fait, Daenerys c'est une connasse, bah parce que vite fait, elle sait pas gouverner, parce que c'est une totalitaire. Mais on n'a pas, on n'a aucune explication de comment se déroulent les choses et pas de logique à la suivre. Je veux dire, des esclaves affranchis qui vont la suivre. Bref, et ça, ce qu'il est en train de dire, c'est que apparemment sur Andorre, c'est complètement différent. C'est que sur Andorre, ouais, c'est pour le, y a une approche matérialiste vraiment dans la série, ouais. Et ça, ben, ça fait du bien dans des univers qui prenaient un peu la poussière. On va donc explorer un peu quels éléments historiques ont pu inspirer Tony Gilroy et les autres scénaristes pour créer Andor. Alors attention, je ne dis pas que tout ce dont je vais parler ici est forcément ce qui a inspiré les créateurs, il y a toujours d'autres possibilités, mais en tout cas, à chaque fois, il y a des similitudes intéressantes. Aussi, pour pouvoir analyser tout ça, il va falloir spoiler pas mal, donc vous êtes prévenus, allez, générique. J'aime trop ce générique. Je l'aime trop. Moi aussi, j'ai le droit de dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, c'est deux copains à toi, t'en as un qui a fait la musique et l'autre le montage, c'est ça, hein? Tout à fait. Ils sont crédités, il me semble, au moins en fin d'épisode. Tout à fait. What our show in many ways is about becoming. It's a revolution becoming a revolution. It's about Cassian Andor becoming a revolutionary and then becoming a leader. On l'a vu dans sa série, Tony Gilroy veut montrer comment naît une révolution et comment des gens ordinaires deviennent des révolutionnaires. Mais pour que ce processus puisse démarrer, il nous faut quelque chose contre lequel vouloir se révolter. Il nous faut donc des oppressions et des oppresseurs. We need the Empire to help. We need them angry. We need them coming down hard. Oppression breeds rebellion. Évidemment, on est dans Star Wars, donc l'oppresseur, ce sera l'Empire la plupart du temps. Mais c'est là qu'on a la première originalité du show, c'est que pendant les trois premiers épisodes, on ne voit pas du tout l'Empire. On en entend vaguement parler une ou deux fois, mais à part ça, rien. Ici, les oppresseurs ne sont pas directement l'Empire, mais la Corporate Security, qui est une genre de force de police privée à laquelle l'Empire délègue son autorité sur le secteur. Tu vois l'analogie déjà? Pardon? Tu vois déjà les analogies qui se font? Mais là, c'est super intéressant en vrai. Parce que dans la vie quotidienne des personnes, là, on te montre bien que l'Empire, oui, il est à la source de plein de tout un tas de saloperies qui t'arrivent dans ta vie quotidienne. Mais dans ta vie de tous les jours, comme tu le vois pas, tu vois juste directement le. Genre la police, genre Genre ton la patron police. qui te fait chier. Genre ci, C'est genre ça. ça, forcément, tu vas pas directement te rebeller contre l'Empire, c'est logique. Enfin, désolé, j'ai peut-être plus loin, trop loin par rapport à la vidéo, mais je pense que tout le monde l'aurait a fait le lien. C'est bien foutu en fait. Ça me donne envie de voir le truc Ah bah déjà. écoute, tu vas te faire spoiler de ouf là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
Empire's first line of defense, and the best way to keep the blade sharp is to use it. Regarde sa petite tête de fasciste. Dans notre monde à nous, cela peut évoquer les sociétés militaires privées, déteste, ou SMP, qui ont notamment été déployées en Irak après la deuxième guerre du Golfe en 2003. Après l'invasion, ces SMP vont représenter la deuxième force d'occupation du pays, l'équivalent de 20% des forces américaines sur place. Ces SMP servent plusieurs objectifs. Elles sécurisent les secteurs où travaillent des entreprises occidentales, elles assurent la sécurité de convois de transport de matériel ou de personnes, et certaines, comme la société DynCorp, ont même servi de police localement, en plus de leur rôle de formation de la nouvelle police irakienne. Quelle catastrophe. On a là pas mal de similitudes avec nos agents de la Corporate Security, qui ont aussi un rôle de sécurité et de police, puisqu'ils servent des mandats d'arrêt. We have a warrant for Cassian Andor. Hey, mais attends, moi ce à quoi ça me fait penser, c'est du coup les forces qui arrivent sur place et qui forment les gens. Ça prépare déjà le, comment dire, le fait de créer à partir de personnes sur place, donc de locaux, des forces d'occupation à moindre coût, juste. Oui, aussi, bien sûr. Ouais. Catastrophique, cette affaire. C'est trop bien. Mais c'est même ce que fait là l'Empire dans la série, c'est qu'ils ils envoient pas leurs troupes à eux pour maintenir l'ordre, ils envoient donc ces forces de sécurité engagées par les entreprises du coin. Des grosses corporations qui maîtrisent le coin. Et pourquoi ils font ça? Bah, sans doute parce que ça coûte moins cher que d'envoyer eux-mêmes des gens. Ça leur permet de garder leurs troupes pour d'autres créer d'autres régions ou pas des actions offensives. Et c'est exactement le but des sociétés militaires privées en Irak. Pourquoi les Américains comptaient autant là-dessus? C'est parce que comme ça, du coup, ça dégageait de l'armée américaine de certaines missions, des missions de sécurité, des missions de transport pour aider... De transport, d'assurer la sécurité de l'entreprise, ce genre de choses, pour que eux ils puissent consacrer leurs troupes, par exemple, à pourchasser des rebelles ou la traque de Saddam Hussein, par exemple, ce genre de choses, quoi. Des actions plus offensives, quoi. Et le fait qu'il y ait des personnes locales qui soient recrutées, j'imagine que ça s'explique facilement avec les conditions de vie qui sont particulièrement améliorées, parce que quand tu es dans un pays en guerre, amuse-toi à trouver de la nourriture de façon sûre, amuse-toi à être certain que de façon pérenne tu peux nourrir ta famille, etc. Non, tu peux pas. Je veux dire, quand l'occupant est beaucoup plus fort, t'as plus tendance à trahir, en gros, hein, à trahir, oui, les indépendants. D'autant plus que là, l'idée derrière la formation de police irakienne, c'était de dire, on veut construire un nouvel État irakien, démocratique, si c'est possible, mais c'est surtout un État irakien qui serait copain avec les Américains, qui leur permettrait à leurs entreprises de faire leur business, quoi. C'est surtout ça qui les intéressait. Mais oui, du coup, l'idée, c'est de former, de recréer un État irakien pour pas avoir... Ils comptaient pas rester 10 ans, ça c'est clair. C'était pas du colonialisme à l'ancienne, à l'européenne, où on s'installe et puis c'est chez nous, et puis l'Irak, ça devient l'Amérique, tu vois. Là, le but, c'était, on recrée un nouvel État, une démocratie, ça, c'est pas forcé, mais en tout cas, qu'il y a un État qui aurait l'apparence d'une démocratie, et puis qui serait, économiquement, en tout cas, à la botte des États-Unis. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisqu'on voit la Corporate Security abuser de son pouvoir. La première scène du show nous montre ses agents tenter de racketter Cassian. Et lors de leur intervention sur Ferrix, ils tuent un innocent, la personne même qui leur a donné l'info qu'ils voulaient. C'est ballot, hein. Max, what have you done to her? You stop right there. She's bleeding. I'm telling you to stop. Not him, Sebret. Her deadness. Bon, alors là, il y a une petite blague cachée. Je sais pas si vous avez eu le temps d'avoir. Non, je reviens en arrière. Je reviens juste pendant la scène là. Il y a une blague cachée dans les sous-titres.
qui a fait ça? C'est juste après, je crois. Non, c'est juste avant, pardon. C'est la réplique d'avant. C'est trop bien, tu nous révèles tous tes easter eggs. Parce que personne l'a capté, donc bon, du coup, je le dis. Ah, c'est ça avant. Remets le début. Un innocent, la personne même qui leur a donné l'info qu'il voulait. C'est ballot, hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez-vous. Ça va être juste là, voilà. Ah, le petit baladio. Je vous demande de vous arrêter. Ah oui, le message subliminal, quoi. C'est parce que, comme je faisais la traduction moi-même du coup du truc, j'ai... Comment je pourrais traduire ça? Bon, je pourrais dire je vous demande de vous arrêter, mais ça fait pas trop... Ça fait pas hyper naturel. Ah, mais par contre, je peux mettre je vous demande de vous arrêter, puis je mets une petite image de baladure, comme ça fait la blague. Voilà. Énorme. Mais je me suis fait plaisir et personne n'a capté la blague. Ça bah, apparemment, ça plaît. Les personnes énorme. Dans le chat, Scorch en particulier, ça lui plaît. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Énorme. Le pauvre, on l'aura vu mourir trois fois du coup. Les SMP de chez nous ne sont pas en reste. Ainsi, des SMP opérant au Kosovo ont été accusés de crimes sexuels et de rackets. En Irak, outre les nombreux abus sur les prisonniers, on a aussi eu 17 civils irakiens tués et 18 blessés par des mercenaires de la société Blackwater en septembre 2007. Le manque... Attendez, je vais aller regarder parce que apparemment tu as numéroté tes sources. C'est cool ça. Bah c'est une idée que j'ai piqué à un copain qui s'appelle Sur le Champ, qui fait de l'histoire militaire et qui fait ça depuis un moment, et j'ai trouvé ça cool, donc j'ai suis dit ça. Je fais faire pareil. C'est une c'est super idée. Très très cool. Ça rend ça très très bien. Et là tu soulèves aussi une question importante, enfin un fait important, c'est les questions de violence sexuelle lors des guerres. On le dit pas frontalement, mais une guerre, c'est aussi une humiliation des populations, et l'humiliation, elle passe par les agressions sexuelles, les viols dans les guerres. C'est pas pour rien qu'on le dit. C'est pas pour rien qu'on dit que ça existe. C'est d'une violence inouïe, parce qu'en plus d'avoir tué des gens, il faut les ruiner jusqu'au bout. Enfin, je dis pas que je veux qu'on les ruine jusqu'au bout. Hein, quand on se dit, il faut. L'envahisseur se dit, il faut les ruiner jusqu'au bout. Non, c'est super pertinent. Voilà, Agathon parle de conquête des hommes par le corps, en effet. Et Isère qui nous dit voir la recherche sur le génocide rwandais pour le sujet du viol comme arme de guerre. Ouais, tu m'étonnes. Je valide. Ah, j'ai peur. Enfin, j'avais suivi un peu pas mal de choses sur le sujet à un moment donné. Faut être accroché. Alors, je sais pas si... Je me souviens d'avoir vu un thread Twitter. Parce que sur Twitter, il n'y a pas que des trucs nuls. Hein, il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'information. Une personne qui disait que le mot génocide, ça correspondait pas exactement. Je sais plus pour quelle raison. Je sais plus pour quelle raison elle voulait pas trop. Ah non, je crois que c'était. Non, je sais plus. Écoutez, je ferai la recherche, je vous le redirai ou je mettrai sur Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le Discord. Point d'exclamation Discord. Voilà, et je vous remettrai ça quand j'aurai recherché. Mais il y a tout un bail sur cette histoire-là. C'est vraiment, mais c'est la pire des choses. Hein. Merci Wolf. C'est la pire des choses, hein. C'est odieux, c'est odieux. Le manque de supervision et le flou juridique autour des SMP a sans doute participé à la possibilité de toutes ces exactions, ce qui fait que le gouvernement américain a resserré les boulons en 2008 en soumettant officiellement les SMP aux autorités militaires. Agathon, t'as dit un truc qui me paraît pas très clair, je voudrais savoir ce que tu veux dire par Aka le voile par exemple. De quoi tu parles, je voudrais savoir. C'est pas très clair. Ça peut être interprété de plein de façons. Une cour martiale s'ils ne respectent pas les règles d'engagement ou commettent des crimes de guerre. Mais bon, on n'est pas complètement sorti de l'impunité,
puisqu'en 2020, ce bon vieux Donald Trump a décidé de gracier les membres de Blackwater qui avaient été condamnés pour le massacre de 2007 dont j'ai parlé tout à l'heure. Allez. Ah oui, oui, Agathon, oui, retirer aux femmes leur droit de porter par colonialisme, bah oui, les cérémonies, je sais pas si vous avez entendu parler de ces cérémonies de retrait de voile, notamment en Algérie, par exemple, où il y avait une grande, enfin, c'était vraiment des trucs de ouf, où les femmes colons organisaient ça parce que les locales, les indigènes, elles étaient du coup civilisées par cet acte de retrait de voile. Je sais pas si vous en aviez entendu parler. Robin, tu as peut-être des connaissances dessus ou peut-être pas du tout. C'est d'une violence culturelle incroyable. C'est d'une perte de... Il y avait un problème aussi à ce moment-là. C'est le fait que beaucoup de... Enfin, il y avait une émergence féministe qui se faisait aussi à l'époque. Et en découvrant la condition des femmes au Maghreb, il y avait une volonté de les sortir de cette double emprise patriarcale qui passait par les sortir de l'islam pour les sortir du patriarcat arabe, en fait. Sachant que de toute façon, en tant que femme, elles étaient soumises au patriarcat, quoi qu'il en soit, mais que le patriarcat arabe, c'était vraiment la double peine. Donc ouais, c'était des choses qui existaient, ouais, tout à fait. C'était des choses ultra racistes, incroyablement racistes. Encore une fois, on va pas... Quand on est dominant, on peut se permettre de calquer son paradigme sur les pays dominés, sur les zones dominées. Est-ce qu'il y a ça dans Star Wars ? Est-ce qu'il y a cette espèce de domination culturelle et qui se fait, ou est-ce que l'impérialisme de Star Wars il est pas particulièrement montré sur cet aspect là Je sais pas ce que t'en penses, Robin, mais moi dans Clone Wars il me semble qu'il y a quelques exemples qui sont assez probants. Oui, bah du coup je pense là, parce que j'ai revu l'épisode tout à l'heure, un épisode de Rebels où justement c'est avec cette même personnage de Hera Syndulla, la Twi'lek, dont on parlait tout à l'heure, où il y a en fait en gros l'Empire a installé son QG dans leur maison de famille, dans sa maison de famille, et elle aimerait récupérer un objet culturel. Alors j'ai oublié je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une sorte de totem. Ouais, voilà, c'est un totem familial qui n'a pas de valeur en soi, mais qui pour elle a de la valeur puisque ça représente l'histoire de sa famille. Et elle essaye juste de le récupérer, quoi. Et au moment où elle le récupère, en gros, il y a un impérial qui la voit avec ça, qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'était de babiole. Sous-entendu, c'est de la merde, quoi. Il a un gros mépris pour le truc. Et il y a que le grand méchant qui est l'amiral, le grand amiral Thrawn, qui lui, pour le coup, est un connaisseur des cultures à travers la galaxie, qui lui dit non, c'est un objet important et. Et qui lui-même se fait une espèce de musée personnel avec plein d'objets qu'il récupère. Tout à fait. Et qui même s'énerve du coup quand son subordonné insulte un peu l'objet en disant que c'est un truc primitif de merde. Et il y a à la limite de lui mettre un pain dans la gueule. Mais oui, du coup, il y a un mépris culturel affiché là du côté impérial. Et bah le mépris impérial pour les autres cultures, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. D'accord. Le fameux America Fuck Yeah. Il y a Scorch qui dit, pardon, Scorch de ne pas l'avoir relevé. Ce qu'il dit, c'est que dans l'univers étendu, c'est très présent. Voilà, ouais. Il genre dans Kotor. Ouais, c'est le genre de truc. Tout à fait, c'est le genre de trucs qui sont pas tellement abordés dans les films parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais dans l'univers étendu, ouais, on peut trouver ça. J'adore cette vidéo. Dans Endor, nos amis de la Corporate Security se font bien taper sur les doigts et virer, mais visiblement aucun d'eux ne subit de sanctions juridiques. Et leur institution est remplacée par une occupation impériale. On peut pas dire que les habitants gagnent au change sur ce coup-là. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des institutions où il y a des personnes qui, au lieu d'être punies, sont juste mutées. Ça n'existe pas en vrai, hein. Moi vraiment, j'ai jamais vu ça.
De quoi tu parles? Non, c'est que c'est pour ça, c'est une fiction. C'est une fiction. C'est ça. Police. J'ai jamais vu ça ailleurs. Mais franchement. J'avais vu un mème justement qui parlait de cette scène, qui disait voilà, c'est cette scène où les gens de la corporate security qui doivent assumer les conséquences de leur action. Qui a dérapé et tout ça. Cette scène est là dans la série pour nous rappeler que c'est une œuvre de fiction. On aime, on adore. J'avais trouvé ça drôle. Alors, d'ailleurs, oui, suivez Taco. Taco, c'est une super copine. Elle fait du gameplay Mario Tart. Elle est genre ultra forte, ultra forte. Elle a des stratégies avec Birdo incroyables. N'hésitez pas à aller la voir quand elle stream, c'est vraiment super sympa. Et des fois, elle chante, elle fait des trucs rigolos. Elle est super cool. J'ai rarement vu un stream aussi dynamique. Moi, je me fais pas chier. Hein. Voilà. Alors que j'aime pas trop les streams de vidéo. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà, allez-y. Et Scorch qui nous dit, dans KOTOR, le niveau de Tatooine où la mégacorporation Sherka colonise la planète et chasse les hommes des sables et que tu étudies la situation, les dialogues et tu comprends le truc. Déjà, de toute façon, une méga corporation qui va chasser des habitants, t'as envie de dire, tu vas pas bien loin. Alors, tu confirmes, c'est un peu ce qui se passe aussi dans Boba, non? Enfin, c'est... Ouais, c'est... Je pense que c'est plus, des, pour le coup, des syndicats du crime que des corporations, pour le coup. Mais ouais, il y a un peu cette idée-là, ouais. Est-ce qu'il y a une explication de l'existence de la criminalité organisée ou pas dans... Outre la pauvreté, oh là là, quoi qu'en fait je vois. Bah, la pauvreté et le... Non, mais oui, la greediness, quoi. Les gens qui en veulent plus, les gens qui veulent le pouvoir, l'argent. C'est surtout, ouais, on est surtout là-dessus. Ouais. Autre forme d'oppression observée dans la série, le colonialisme. Oh c'est un non, peu exploré dans on va parler colonialisme sur cette chaîne. Oh non. Zut alors. Non, le colonialisme. Oh zut. Oh, oh mon collier. Oh non. C'est alors. Allez, kiffe. Tiens, sur Canary, planète qui a clairement été exploitée pour ses ressources, sans considération pour ses populations. Mais c'est surtout avec l'arc sur Aldani que la thématique est développée. Sur Aldani, on a donc face à face l'Empire qui s'est installé de base et une population autochtone rurale. Une population autochtone que les impériaux considèrent avec un grand mépris. Des impériaux ? C'est la colonialisme, oui. They breed a sad combination of traits that make them particularly vulnerable to manipulation. Ah mon dieu. On a practical level, they have great difficulty holding multiple ideas simultaneously. On peut voir un parallèle assez évident. Mais c'est super, mais c'est tellement réaliste. Mais c'est tellement les théories racistes classiques. Et vous voyez, alors peut-être que tu le diras. Enfin, je suis bête, vas-y, dis-le. Donc c'est pas ce que je vais dire, je suis bête. Ou bref, tu vas peut-être aller plus loin sur ce que je vais dire. Non, je suis super enthousiasmé. Elle est vraiment trop cool ta vidéo, rien qu'à 8 minutes. Là, je suis. Oh bah, merci. Elle est trop bien, non, mais vraiment trop bien. Là, il va peut-être nous expliquer que. Ou peut-être pas, que c'est pour justifier la colonisation, on est obligé d'inférioriser l'autre et donc d'inventer tout un tas de théories. Ou non, c'est mon autisme qui fait ça, Vermine, arrête. Arrête de te moquer des gens. Donc je disais oui, pour justifier la colonisation, on est obligé d'inventer tout un tas de théories incroyables sur les populations qui seraient trop connes, qui pourraient pas exploiter les ressources de la bonne manière, qui pourraient pas, qui seraient gentils en soi, hein, mais qui ont besoin de gens plus grands pour venir. C'est d'ailleurs, cette justification qui amène en France la gauche, entre guillemets, du 19e à soutenir la colonisation. Enfin, une partie de la gauche et une partie de la droite aussi. On dit la gauche, non, une partie de l'époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne vais pas du tout en parler après. Hein. Ou alors un petit peu, peut-être.
avec les populations amérindiennes et la manière raciste dont elles sont perçues par les Européens, puis par les Américains. Tout comme les Dani, les différentes tribus amérindiennes sont traitées comme des sauvages, des êtres non civilisés, voire carrément comme des animaux. Par exemple, l'écrivain américain Hugh Henry Breckinridge écrit en 1783 « Je joins quelques observations concernant ces animaux vulgairement appelés indiens. On peut dire que l'agriculture et la mise en valeur donnent un droit de propriété sur la terre. Quel usage ce troupeau annelé, zébré, tacheté, moucheté fait-il du sol? Le cultive-t-il? En ce qui concerne les traités de paix avec cette race, on peut y opposer plusieurs arguments. Ils ont une forme humaine, et peut-être appartiennent-ils à l'espèce humaine. Mais dans leur état présent, ils se rapprochent plutôt du diable. Pour les colons, les Amérindiens... C'est horrible. Non, mais encore, tu vois, là, c'est dit par un mec que nous, on connaît pas. C'est ça. Osef. Il y a un mec un peu plus connu, donc je parle après, et là, tu fais. Vas-y, fais péter. Ah, j'ai envie de mourir. Je vais pleuroir. Je vais crier. Hein. Vermine doit être en train de hurler. Avec Wai, là, on est. Ah oui, il y a plein de petites émojis guillotine. Oh, c'est mignon, j'adore. Oui, on n'a pas de justice. D'ailleurs, si vous voulez permettre à Robin de pouvoir utiliser des emojis, n'hésitez pas à lui offrir un sub. Son compte, bah, il est là, vous le voyez, c'est Histoire trouve toujours un chemin. N'hésitez pas à lui offrir un sub, hein, vu qu'il aime beaucoup la justice. et évidemment à le soutenir sur Ko-fi. Allez. Ils sont pas civilisés. Donc la première approche sera d'essayer. Te demander. Merci. Jérémia. Merci. Du love. Du love, Jérémia. Oh, Jérémia, mais c'est toujours Jérémia. Hop là, bim, je lui traîne tout de suite. Yes. J'ai toujours rêvé de pouvoir poser des guillotines dans le chat de Twitch, c'est génial. Tu m'étonnes. Ça fait plaisir. Oups, j'ai glissé. Merci Jérémia. Merci. Ah bah voilà, Hermine hurle, tu vois, qu'est-ce que je disais. Bah oui, mais c'est que Jérémy, en fait, il fait partie des personnes qui donnent... Enfin, c'est celui qui donne le plus. Et des fois, je lui dis, mais arrête, chouchou, tu donnes beaucoup, je donne beaucoup. Mais non. Mais non. Donc là, je dis plus rien, maintenant, il donne, écoute. Ah oui, c'est carrément un mécène, oui, carrément. Non, après, je vais dodo. Bon, je relance. Et de les civiliser. Alors à quoi ça correspond la civilisation pour ces gens? Eh bien, il faut devenir chrétien déjà, ça c'est la base. Abandonner le nomadisme pour les tribus qu'ils pratiquaient, pour se mettre à l'agriculture, parce que bon, le camping, ça va bien 5 minutes. Hein. Et puis bien sûr, il faut qu'ils se mettent à la propriété privée. Et pour montrer... Très important ça. Très important. Non. Il faut qu'ils... C'est quoi le camping? Le camping, c'est essentiel de toute façon, mais. Qu'ils se mettent à la propriété privée. Ouais, la propriété privée. Qu'ils adoptent le même système d'exploitation des ressources, quitte à tout défoncer. C'est en ça que aujourd'hui, c'est même plus possible de parler d'écologie sans parler d'anticolonialisme. C'est impossible. Le colonialisme lié au capitalisme, sans capitalisme, pas de colonialisme, et du coup, d'exploitation outrancière et destructrice pour tout le monde des ressources et de l'endroit, de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc c'est même pas pour juste pour le dire, c'est vraiment coordonné à ça. Enfin, coordonné, c'est vraiment, ça découle vraiment de ça. Pourtant, les USA, c'est les premiers sur le mobile home. Tout à fait, Kane. Très qu'on croit vraiment dans le concept, là, le must, c'est de posséder des esclaves. Et oui, pour ces gens,
posséder des esclaves, c'est la marque d'un être civilisé. Sacré concept. Cinq tribus vivant proches des colons ont adopté progressivement ces changements, leur valant d'être appelés par les Blancs les cinq tribus civilisées. Les Cherokees, plus particulièrement, s'engagent sur cette voie, tout en veillant à garder leur identité culturelle. Ainsi, ils laissent les missionnaires chrétiens s'installer sur leur territoire, mais à la condition qu'ils construisent d'abord des écoles qui seront fréquentées par les garçons et par les filles. Ils apprennent donc l'anglais, mais ils n'abandonnent pas leur culture, puisqu'un certain Sequoia crée un système syllabique de 85 signes qui permet de faire du Cherokee une langue écrite. Ainsi, le journal de la nation Cherokee, le Cherokee Phoenix, publie en anglais et en langue Cherokee. Les Cherokees développent également un système politique à l'américaine avec une constitution adoptée en 1827. Dans Endor, pas question de civiliser les Dani, mais si l'anglais... Alors moi j'ai une question. C'est vraiment super intéressant ce que tu nous, montres. Du coup, vous connaissez... vous êtes déjà parti en Cherokee ? Non ? Vous êtes jamais là en Cherokini ? Cherokini ? Non, mais parce que moi non plus, hein, personne. Hein. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ils ont joué, ils ont joué le jeu. Moi, la Cherokini, je vois pas qu'elle existe. Spoiler. Ils sont quand même fait bien bouffer, quoi. Non, mais il y a un moment où il faut arrêter de jouer les tokens, je suis désolé. Mais spoiler. Ça suffit. Non, je vais leur dire ce qui leur arrive, ces braves Cherokee. L'Empire est présent, ce n'est pas pour rien. Il veut obtenir leurs terres. There used to be hundreds of settlements up here. 40,000 Daldanis all across the Highlands. They were here for centuries. But it only took the Empire a decade to clear them out. Kill them? No. Drove them south. There's an enterprise zone in the lowlands. Factories, new towns, imperial housing. Aldani has the unfortunate quality of being close to nothing and not very far away from everything. It's the perfect hub for distribution, if one were trying to take over the galaxy. Et c'est exactement la même chose avec les Amérindiens, puisque, civilisés ou pas, ça emmerde quand même un peu les Américains. Je me permets de m'auto-interrompre. ça c'est un truc que j'avais pas vu dans mes recherches, mais il y a des gens qui m'ont signalé ça en commentaire et je trouvais ça intéressant. Ça peut aussi faire référence à ce qui s'est passé en Écosse, je crois au 19e, où il y a beaucoup de paysans écossais qui ont été chassés de leurs terres pour être envoyés dans les usines que les patrons construisaient. Et donc du coup justement qui ont été chassés de leurs terres dans les Highlands pour être envoyés dans les usines qui étaient construites dans les villes et tout ça. Et c'est d'autant plus juste de parler de ça que en fait toute cette séquence avec Aldani, ça a été tourné en Écosse. Donc c'est tout à fait possible que ça fasse partie des inspirations des créateurs. D'accord. Bien vu, bien vu. Ou juste plus simplement, enfin de la manière qu'on avait de traiter. Quoique. Non, ça justement c'est un peu différent, j'allais dire de traiter les populations locales pour les envoyer vers les industries, mais pas du tout. En tout cas, pas dans les colonies françaises. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais il y avait un délire où on a tout fait, où la France, l'État français a tout fait pour retarder l'émergence d'une industrie digne de ce nom dans ces colonies, de peur que les populations locales. Et ça c'est vraiment la gauche de l'époque, genre Front Populaire qui disait ça, hein. Vraiment, hein. Vous allez voir, vous allez pas en revenir. De peur qu'en devenant ouvrier, ils développent une conscience de classe et qu'ils se révoltent. Énorme. Est-ce que vous vous rendez compte du truc ? C'est pas mal. Franchement, faut le faire. De pas pouvoir tranquillement exploiter leur territoire. Surtout quand il recèle de choses intéressantes. C'est ainsi qu'à la fin des années 1820, on découvre des gisements d'or sur le territoire Cherokee. Et en 1830, le Congrès des États-Unis vote l'Indian Removal Act, par lequel le gouvernement force les fameuses 5 tribus civilisées à abandonner leur territoire pour se relocaliser sur un autre, à l'ouest du Mississippi.
Je te réponds, Wolf, tu dis oui, mais les peuples colonisés, ils développent une conscience de colonisé, non. Oui, bah justement, c'est aussi nier le fait. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la gauche blanche encore, hein? C'est nier le fait qu'il existe des questions raciales et qu'on peut avoir cette conscience-là. C'est. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas si tu m'as parlé, mon casque s'est décroché quand Non, j'ai non, pas voulu de problème, aller allumer la lumière. je répondais à Wolf dans le chat. Ok. Les Cherokees tentèrent bien de s'opposer à ce déplacement en s'engageant dans une bataille judiciaire et législative avec l'État de Géorgie et le gouvernement américain. Mais le gouvernement américain finit par négocier un traité avec un groupe de Cherokees minoritaires favorable au déplacement en 1835. Encore des Le tokens. Conseil Cherokee refuse le traité, mais le Sénat américain le vote quand même. Malgré les protestations des Cherokees, le traité. Je suis désolé, mais là c'est les tokens. Des tokens! Échate. Franchement, je devrais pas rigoler, je devrais pas me réjouir de machin. Mais il y a un truc, vous savez, quand y a cette idée de traîtrise, je suis désolé, il y a un petit truc chez moi qui dit bien fait. Alors que les pires, c'est le gouvernement américain à côté. Mais c'est pas grave, j'ai une petite satisfaction quand il y a des traîtres qui se font rouler. C'est Bah, horrible. le truc, c'est que pour le coup, les traîtres se font pas totalement rouler parce que eux, ils acceptent de bouger et ils bougent avant même qu'on le force, en fait. Non mais là c'est les traîtres parmi les traîtres, tu vois, les traîtres aux traîtres. Ouais, non, en fait, parce que du coup, il y a une petite partie des Cherokees qui, eux, étaient favorables au déplacement, qui, eux, ont signé le traité, et une fois que le traité a été signé, ils sont partis volontairement de leur plein gré rejoindre les terres. Et du coup, ils n'ont pas autant galéré que les autres parce que bah, ils sont partis juste entre eux, sans y être forcés. Oui, ceux qui ont signé. Mais je veux dire, l'autre groupe, là, tu dis que c'est un groupe minoritaire qui a signé le traité, qui s'est déplacé. Donc, ils ont dû avoir des pots de vin, des machins, de ce que tu veux, ils sont partis. Mais eux, c'est les traîtres parmi déjà un groupe de tokens, quoi. Tu vois? Ah oui, bah. Je sais pas Ils si on sont pouvait les déplacés. considérer comme ouais c'est juste qu'ils se sont dit si on comment dire J'aime bien la réflexion. si on essaye de se civiliser entre autres guillemets peut-être que les blancs vont nous laisser tranquilles et qu'ils vont tu vois parce qu'ils ont vraiment ils se sont dit on d'un côté on essaie de garder notre culture parce qu'on garde notre langue on fait des journaux comme eux mais on fait des journaux en anglais et dans notre langue Cherokee et tout ça. Ils ont adopté un système, une constitution comme les Américains. Ils se sont dit, bah voilà, on fait comme eux, on se donne la même légitimité qu'eux, et comme ça, ils pourront pas faire ce qu'ils ont fait avec tous les peuples qui étaient là sur la côte, qui se sont fait massacrer comme de rien. Ils se sont dit, bah voilà, Ah oui, il n'y a tu vois, pas de en problème. prenant leurs armes, en prenant, tu vois, en adoptant une constitution, en la propriété privée, voilà. On va être considéré par eux comme civilisés, donc ils pourront pas nous écraser parce qu'on sera comme eux au final. C'est ce qu'ils se sont dit, je pense. Tu vois, je pense pas qu'il y ait une idée de trahison ou de truc, de dire, c'est juste, bah voilà, je pense que si on fait un pas vers eux, bon bah voilà, on va pouvoir s'entendre plus facilement, on va pouvoir communiquer plus facilement, et ça va nous permettre de mieux s'entendre et que notre peuple puisse continuer à vivre, quoi. Bah, tu vois, ton regard bienveillant, il me fait un petit peu changer. C'est vrai que tu leur accordes plus facilement le bénéfice du truc. En vrai, ouais, moi je suis trop énervé pour l'accorder de base dans ces situations-là, tu sais. Non mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que faut pas perdre de vue que les méchants là-dedans, bah, c'est les colons, quoi. C'est Ah, eux c'est qui évident, c'est évident, c'est évident. les corrompent et qui après, le pire c'est que une fois qu'ils ont été entre guillemets civilisés, les mecs ils ont c'est comme si c'était un autre pays, tu vois, parce qu'ils avaient leur constitution, ils avaient leur c'est comme si pour les Européens, ça aurait été un pays comme eux, tu vois. Et ils avaient des instituts. Et la preuve, c'est que quand les Cherokees ont essayé le groupe minoritaire a essayé de faire leur traité dans leur coin et tout ça, eux, ils ont fait une bataille avant de s'y opposer, d'essayer de s'y opposer par les armes. Ils se sont dit, non, non, mais attendez, on est comme vous, on est aussi civilisés. On va vous envoyer notre Sénat qui dit que, bah voilà, c'était des minoritaires, donc ça compte pas. On fait invalider le truc, ça va pas marcher. Après, ils ont essayé, ils sont passés par les tribunaux américains, par la Cour suprême, ce genre de choses, pour essayer de. En fait, ils ont essayé de se battre contre les blancs avec les armes des blancs, tu vois. Ah ouais.
acquérir Donc les ça n'a mêmes pas droits du tout marché. pour trouver un pied d'égalité, quoi. Mais ils pouvaient Voilà, pas c'est le ça. savoir à l'époque. Bah non, ils pouvaient Je pas le pense. savoir. Tu vois, une fois quand on connaît la suite de l'histoire, c'est facile de dire bah fallait se rebeller, fallait machin, fallait truc. Sauf que voilà quoi. Et Il y en le avait et un après renard quand même, hein. quand on connaît la suite de l'histoire avec d'autres tribus amérindiennes qui pour le coup n'ont pas essayé de se civiliser et ont essayé de prendre des armes et ont essayé de se rebeller, bah, ça n'a pas beaucoup mieux marché pour eux non plus, tu vois. Attends, t'es en train d'expliquer que c'est normal qu'il n'y ait pas plus de révolte parce que les gens, de toute manière, bah, ils risquent plus de crever ou d'y perdre et que ça fait partie des choses qui expliquent que, bah, je sais pas, se révolter quand en face t'as des armes à feu, ce genre de choses, c'est compliqué. T'es en train d'expliquer ça? C'est ça. Eh ben, bizarre. Bravo. Non, merci C'est Robin de... Merci QFD. Robin de remettre les comment dire en télé-réalité, les points sur les i et les barres sur les t. Et il y a Wolf qui nous dit une pensée pour les six gays qui votent RN. Oui, parce que tu vois, à côté de ça, nous, comme on est ici une commune assez concernée par les questions LGBT, on a un autre fléau à l'intérieur de notre groupe, c'est qu'on a beaucoup de gays blancs qui votent RN en croyant qu'ils vont être épargnés, tu vois. Ouais. Ouais, alors là, pour le coup, on a quand même des précédents historiques qui montrent que c'est quand même une idée de merde. Hein. On est d'accord. On est assez d'accord. Voilà, excuse-moi, mais On est le assez RN, d'accord. c'est quand même un parti fondé par des collabos. Et voilà, les collabos, Et en les passif, homosexuels, d'accord. on sait ce qu'ils en faisaient. Ils n'étaient pas copains avec. Hein, Tu m'étonnes. Même, On sait. parce qu'il y a, alors, on pourrait dire, alors, comment il s'appelait? Le chef des SA. Qui était donc une section, les sections d'assaut du parti nazi dans les années 30, leur chef, alors j'ai oublié, ça ne me revient pas, mais il était, selon toute vraisemblance, homosexuel. Et il était au sein du parti nazi, c'était un des dirigeants les plus importants. Bon, bah, il s'est fait purger, hein. Tu vois, même, c'était leur allié pourtant, hein, il était avec eux, hein. Bah, il s'est fait exécuter. Donc bon. Même en étant parmi les chefs du parti des partis fachos, ça vous protège pas, donc bon. Ouais. Voilà quoi. C'est pas pour dire que c'est une idée de merde, mais c'est quand même une idée de merde. Bien fait pour sa gueule. Ah oui, bon là. Bien Là pour le coup, fait. je vais pas dire. Je vais... Là pour le coup, je vais pas dire. Oui, mais tu sais. Bien fait pour sa gueule. J'incite personne à tuer ni à commettre des violences physiques, mais quand elles sont déjà faites dans le passé, vous avez le droit de vous réjouir. Alors on va reprendre une petite dizaine de minutes, ensuite on aura la pause. Ah, il y a Jogoya qui dit je suis pas certain qu'ils votent en espérant être épargnés. Des fois, il y en a qui ont juste intériorisé le racisme et qui pensent que les musulmans veulent les tuer et tout. Ils gobent les discours sur le grand remplacement et tout. Oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait, Jogoya. Le problème avec ça, c'est que ils considèrent que eux, comme il y a juste un cran d'écart. Tu sais, pour être la personne qu'il faut, quand t'es, pour être totalement dominant sur tous les plans dans des pays occidentaux, genre quand t'es blanc, que t'es un homme et que t'es plutôt aisé, tu vois, ils se disent, bon, le seul truc qui déconne chez moi, c'est que je suis gay. Mon homosexualité, ouais, c'est ça. C'est pas très grave. Ça Ouais. passe. Et puis je vois des chenus, je vois des ci, des ça. Il y a que un cran, à un cran, je suis parfait. À un cran, comme il faut. Bon, ça va passer. Non. Et non. Non, non, mais puis je repense à ça, du coup, ça m'avait choqué. Quand j'étais étudiant, j'avais un travail dans une grande société de distribution. Et une fois, je discutais avec un client, alors je sais pas, il était d'origine maghrébine, je sais pas de quel pays, et qui disait que lui, il votait Marine Le Pen en disant non, mais ouais, comme ça, elle va virer les mauvais arabes et il restera que les bons. Alors que, bah non, en fait, elle s'arrêtera pas à ça, tu vois, ils font pas la différence, évidemment, mais pour lui, c'était non, non, mais c'est bien, comme ça, ils vont virer les mauvais. Qui donne une mauvaise image de nous, et puis il va rester que les bons, et puis c'est bon, tout ira mieux, quoi. Bah non, c'est pas ça Ça qui va se passer. n'a jamais marché comme ça. Bah non, Là, on bien a un sûr. beau token aussi, hein. Là, pour le Ouais, coup,
On a un sacré abruti de token. Ça, ça m'avait choqué vraiment que tu. Qu'il avait dit ça. La preuve, c'était il y a bien dit, il y a plus de 10 ans que j'ai entendu ça. Je m'en souviens encore, tu vois. Ah mais moi j'ai connu un gars qui était arabe, qui était gay, qui avait une famille musulmane, tu vois, c'est même pas à la Jean Messia, lui qui est arabe, mais vous savez, entre guillemets, les bons arabes, les chrétiens. Non, non, vraiment, il avait une famille musulmane, arabe, gay, et il disait, j'ai pas honte de dire que je vote Marine Le Pen. Et il était pas possible de le raisonner, lui, hein. Pas possible. Hein. Pas possible de lui expliquer quoi que ce soit. Alors quand, voilà, moi j'ai un conseil à vous dire, vous n'êtes pas obligé de parler, d'essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Oui. Voilà, ne perdez pas votre temps. Ouais, surtout. Ne perdez pas votre temps. Ça ne veut pas dire que ces personnes, il faut... Bon, là, on est entre nous, donc je m'énerve un peu, je les traite de sales tokens, machin. Il peut être une histoire, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Bon, et puis techniquement, on a aussi le droit d'être en colère contre des gens qui font du mal au groupe auquel on appartient sans aucune raison. On a le droit hein, d'être en colère. Le mieux, à mon avis, c'est de ne pas perdre son temps. Ah, j'avais pas vu, attends, il y a Wolf 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 qui demandait si c'était Rommel. Non, c'est pas Rommel le mec dont je parle. C'est le Rommel, c'est un général pendant la guerre. Le mec dont je parlais, c'était le chef des sections d'assaut qui ont été liquidés dans la nuit des longs couteaux en. 38, je crois, donc avant la guerre. Ah, section 38, d'assaut, oui. Je connais. Ouais. Ça, c'est pas la même chose. Mais... Bon, on va avancer un peu. L'été est mis en application et le gouvernement envoie l'armée pour superviser le déplacement forcé. La déportation des 5 tribus sera nommée la piste des larmes. 60 000 personnes sont déportées sur 10 ans. Autour de 10 000 meurent de froid. De faim, quelle horreur. De maladie. Rappelons que le président Jackson avait présenté l'Indian Removal Act comme un texte humanitaire qui devait permettre aux tribus amérindiennes de, je cite, « se déplacer vers d'autres terres plus propices à leur bonheur ». Dans Endor, les Dany sont victimes d'une politique de relocalisation similaire. Le commandant de la base se lance d'ailleurs dans une petite explication sur comment il les manipule pour obtenir ce qu'il veut d'eux. It's a 10-day trek up from the lowlands. We offered them a transport because we know they'll refuse, but then along the way we've placed a series of comfort units, shelters and taverns with cheap local beverages. Quite predictably, what began as 500 pilgrims at the bottom has already dwindled down to... Where are we now, Lieutenant? We counted 60 last night, sir. They may pick up some Highland stragglers along the way, but so far it's developing as we'd expected. Not that long ago, they'd put 15,000 out there. Cette manipulation par l'alcool est quelque chose qu'on retrouve également avec le traitement des Amérindiens par les Blancs. Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, écrit à propos des Amérindiens « Ils deviennent très facilement ivres, et lorsqu'ils le sont, ils sont très querelleurs et chaotiques. Si c'est vraiment la volonté de la Providence d'expulser ces sauvages pour faire de la place aux cultivateurs de la terre, il ne semble pas improbable que le rhum en soit le moyen tout désigné. » Mais c'est ce fils de chien qui suce en boucle dans leur série ou dans leur film ou dans Benjamin Franklin, quel grand homme. Mais c'est ce fils de chien là dont on parle. Tout à fait, voilà, c'est lui. Himself. Le gentil monsieur qui joue avec les cerfs-volants là, c'est lui. Mais quel chien. Après, de toute façon, tu vois, quand on parle des pères fondateurs des États-Unis, en général, bon, les trois quarts, c'était déjà des mecs qui avaient des esclaves et tout ça. Hein, donc... Voilà. Non, Jogoya, t'inquiète, la pause, on l'a fait à et demi à peu près. T'inquiète, on va avancer un peu. Y'a pas de soucis, t'as pas à te sentir coupable. De toute façon, les gens dans le chat, vous n'avez jamais à vous sentir coupable. Des débordements de coccinou. Voilà, en plus, on fait des tunnels. La gueule des rôles modèles, on est d'accord, Wai. On est d'accord. C'est ça. A déjà annihilé toutes les tribus qui habitaient sur la côte. Les Amérindiens eux-mêmes ne sont d'ailleurs pas dupes sur l'utilisation de l'alcool par les Blancs. Gish Kenatsi, un chef Shawnee, en parle à un missionnaire. En comprenant la faiblesse et l'impuissance des Indiens, les Blancs ont un certain pouvoir sur nous, tout en prétendant, avec toutes leurs ruses, qu'ils ne veulent que notre bien. Ils amènent du rhum dans nos villes. Et l'offrent aux Indiens et leur disent de boire. Ils font ça jusqu'à ce qu'ils se mettent à agir comme s'ils n'avaient plus toute leur tête.
Puis les blancs se lèvent et rient des Indiens, en s'exclamant que les Shawnees sont des idiots. Mais qui les rend idiots? À qui est-ce la faute? Enfin, pour sceller le traité qui leur permet d'utiliser leurs terres, l'Empire doit se plier à une petite cérémonie avec les Dani. J'ai peur. Non, ça va là. Ouais. Les différentes tribus amérindiennes aussi signent de nombreux traités avec les Européens, puis les Américains au cours de leur histoire. Ces traités sont accompagnés de rituels et d'échanges de cadeaux afin de rendre les accords sacrés et donc supposément inviolables. Parmi ces rituels, le fameux calumet de la paix pouvait être utilisé pour sceller l'accord. Mais ces calumets ne sont pas utilisés par tous les peuples amérindiens et ont aussi d'autres usages que celui de finaliser un traité. Étudions maintenant l'organisation qui va plus ou moins servir de grand méchant dans cette série, l'Imperial Security Bureau ou ISB. Ah. L'ISB tel que... Ah oui, là on est sur un autre gros point. Je vous propose de faire la pause maintenant, de pas couper n'importe comment. Ça marche, ok. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à suivre la chaîne, rejoindre le Discord, le Twitter pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. Et puis voilà, et puis je vous dis à tout de suite. À toutes. À toutes. We'll be right back.
Et re. Alors, mes camarades sont pas encore revenus. Vermine, t'en as le caleçon qui fait des bruits de flambe. Un JPP de toi. Un JPP de toi. T'es incrédible. Incrédible. Donc pour les personnes qui viennent, qui seraient arrivées, en attendant que les que mes camarades reviennent, on est en train de regarder une vidéo faite par Robin de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin. Je vous redonne le lien de la vidéo. Je vous redonne le lien pour que vous puissiez lui faire monter des vues, parce que en vrai c'est ouf, c'est incroyable, ça ajoutera à sa visibilité. Donc regarde une vidéo de une vidéo de Robin qu'il a faite avec Bolshevik Geek, qui nous explique quelles sont les inspirations historiques de la série Andor, la série Star Wars. Alors, je viens de regarder un truc. Il s'avère que il me manque 56 abonnés pour arriver à 15 000. Si, voilà, défi, si vous arrivez à me faire monter 50, plus 56 ce soir. On est 20 personnes sur le chat. Ah ouais. Ouais, il y a moyen. Il n'est pas encore tout à fait, mais ça se fait. Hein. Ça peut se faire. Honnêtement, si vous franchement, arrivez... si on arrive à faire ça ce soir en live, ce serait vraiment stylé. Alors, je... C'est pas pour réclamer, mais ce serait vraiment stylé. Alors, déjà, t'as le droit. Déjà, t'as le droit de réclamer. T'as tous les droits. Hein. Ok, bah je réclame alors. Mais ça ferait plaisir. Ça écoute, ferait moi, plaisir. J'avais pas encore abonné, donc voilà, maintenant t'as un abonnement de plus. Allez, bim. Si vous m'aimez, je fais du chantage. Si vous m'aimez pas, le chantage. Si vous m'aimez, vous devez l'aimer. Oui, il faut poster ça sur Discord. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, petit truc également. Il y a Scorch qui disait, il y a un truc que je trouve dissonant dans les séries Star Wars. Moi, je dis Star Wars. C'est de voir des rôles de personnes défavorablement racisées. Oui, parce que moi, je mets défavorablement aussi devant. Je vous ai expliqué pourquoi. Racisées et femmes avoir des rôles dans l'Empire. Alors que la trilogie originale a mis en place le fait que l'Empire égale que des hommes blancs. Que les femmes, virgule minorité, bref, la diversité, sont du côté des rebelles et qu'on retrouve pas la logique dans Andor. Alors, pour moi, c'est logique. C'est logique de représenter des personnes racisées, des femmes au sein de l'Empire, puisque ce qui fait forme de racisme au sein de l'univers Star Wars, c'est plutôt un racisme... humain alien que racisme blanc noir etc. En tout cas c'est ce qui a été présenté. Je pense pas qu'on ait tellement d'histoires de racisme classique entre guillemets comme ce qu'on trouve ici dans nos sociétés. Par contre il y a des exemples de racisme anti-alien et de politique raciste contre les aliens mise en place par l'Empire. Par exemple, dans les bouquins, même dans l'univers univers étendu qui est canon, dans les bouquins sur Fraune, donc Fraune qui est globalement, donc sa race, c'est les Chiss, qui sont globalement des mecs bleus, voilà. Ça ressemble à des humains, mais c'est pas des humains, et ils sont bleus avec des yeux rouges. Et voilà, dans le bouquin, premier bouquin qui est sorti sur son ascension au sein de l'Empire, il y a des exemples de gens qui le traitent mal parce que c'est un chiss, parce que c'est pas un humain, etc. Donc voilà, il y a de la discrimination par l'Empire, mais c'est plutôt de la discrimination contre les aliens. Donc moi, ça me dérange pas que de voir dans les nouveaux films des femmes et des personnes racisées
à des postes de responsabilité au sein de l'Empire, puisque pour moi, il y a une discrimination au sein de l'Empire, mais c'est plutôt alien versus humain, quoi. Et ça, pour le coup, je pense pas qu'on ait déjà vu des aliens, à part le Grand Amiral Thrawn, mais son cas est très spécial, comme officier de l'Empire. Alors, moi, en fait, tu vois, je pense que même s'il y avait... Enfin, je trouve que ce serait même plus réaliste qu'il y ait des bleutards, je veux dire des bleutards, parce que j'ai juste compris qu'ils étaient bleus. qu'il y ait des bleutards et des poulpes. Trouvez-moi un nom de race. Des Togruta, des Troglo, machin. Ça veut pas rentrer pourtant. Parce que je vous jure. C'est pas évident, hein. Je te l'accorde. Moi, je trouve pas ça déconnant du tout, parce que les impérialismes utilisent des personnes... en fait, une discrimination, comme ça se fait à l'échelle de groupe, c'est normal de prendre quelques individus pour mieux dominer le reste. C'est normal que ça existe. C'est normal qu'il y ait derrière un discours de méritocratie ou un discours pseudo-civilisateur pour bien montrer que vous voyez, ne vous rebellez pas, il y a toujours une possibilité. C'est normal. Moi, je trouverais ça logique que ça existe. Hein. Ouais, je comprends. Après, ouais, comme je dis, c'est plus que... C'est ce qui est mis un peu en place dans le canon, qu'il y a des discriminations envers les non-humains. En tout cas, au moins parmi les officiers, quoi, les hauts postes à responsabilité, et c'est ce qui est un peu mis en avant dans l'univers, quoi. Ce que j'adore, par contre, c'est vraiment l'idée de rajouter des persos féminins côté Empire. Y a de très 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 beaux personnages qui ont été ajoutés en termes de d'arc scénaristique et de même de personnalité. C'est hyper intéressant. Ouais. Dans Andor et dans Mandalorian récemment. Même je pense à... Excusez-moi, je sais pas si deux secondes pour vous dire je fais un aller-retour rapide, hein, faut que je change mes batteries, je vous laisse parler dessus autant de temps. Ah, très bien. Okay. Je pense à... merde, comment elle s'est mis... Est-ce que tu as lu les romans sur la fin de l'Empire? Alors, justement, non, comme je disais, moi, je connais pas trop l'univers étendu, j'ai pas lu les romans, ma culture, elle se limite à tout ce qui est vraiment télévisuel, donc tout ce qui est série, tout ce qui est film, mais pas du tout sur la littérature, ni les comics, d'ailleurs. D'accord, parce que justement, dans le... Oh, attendez, je vais vous trouver une image. Hop. Dans les romans... De l'univers attendu actuel, du canon, il y a le grand amiral Sloan, qui est une grande amirale, donc le même rang que Thrawn, qui est une femme noire. Et qui est donc, du coup, un grand amiral, c'est un des postes, pour le coup, les plus haut gradés de l'armée impériale, quoi. Et c'est un personnage hyper intéressant. Il y a pas mal de personnages assez intéressants dans ces bouquins, d'ailleurs. Je suis là. Voilà, désolé. On reprend la vidéo ou vous... Pardon, je vous ai peut-être un... Non, vas-y, tu peux. On parlait de Sloane, mais... Non, du coup, je disais que voilà, il y avait dans les romans récents, il y a un personnage de l'Empire qui est le grand amiral Sloane, qui est une femme noire et qui est un personnage extrêmement intéressant. Mais d'ailleurs, du coup, je trouve que en termes d'inclusivité, les romans font un bien meilleur taf que les productions visuelles, quoi, les films et les séries. Encore que Andor, il y a un couple lesbien, donc ça fait plaisir. Mais par exemple, il y a un personnage homosexuel dans un de ces romans. Il y a Sloane qui apparaît aussi. Et il est hyper intéressant, c'est un ancien impérial qui bascule du côté des rebelles, et il n'est pas du tout défini par le fait qu'il est homosexuel, et je trouve ça hyper intéressant, parce que en fait on l'apprend assez tard qu'il est homosexuel, genre je pense que c'est une série de 3 bouquins, et c'est au niveau du 2e bouquin, et pendant une bonne partie de l'histoire, on pense qu'il a un gros crush sur une des meufs de l'équipe, et en fait au bout d'un moment, il lui dit non mais vas-y c'est bon,
coucher ensemble si tu veux. Il dit, ah non, mais moi je suis gay, c'est juste que je m'entends. C'est un crush amical, quoi. Et du coup, c'est un peu une révélation comme ça, je trouve ça intéressant. Du coup, il n'est pas du tout défini par ça, parce que pendant un bouquin et demi, on pense qu'il est hétéro. Quoi. Après, tu vois, les questions. Tu vois, ces questions. Les questions LGBT. Moi, je trouve ça délicat, en vérité, les représentations qui ignorent que c'est quelque chose de particulier. Tu vois, c'est super cool que ce soit pas l'essence du personnage, mais que ça n'existe pas. Moi, je peux pas relate, tu vois. Parce que, ouais. On l'a beaucoup dit hier, il y a des existences qui sont subversives, quoi qu'il arrive, par rapport à des normes, en fait. Donc, si il y a une norme, je veux dire, hétéro-patriarcale dans Star Wars, et que le personnage est gay, moi, ça me fait bizarre, tu vois. Si c'est logique et normal d'être hétéro, de se marier, d'avoir des enfants dans cet univers-là, c'est vraiment chelou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour le coup... Alors je peux me tromper, mais bah après, pas d'exemple. C'est un détail, hein. Là je suis vraiment en train de chipoter sur un. Ouais. C'est de la fiction. Mais j'ai pas d'exemple justement de discrimination contre les homosexuels dans l'univers Star Wars. Peut-être que ça existe, notamment au niveau de l'Empire, ça m'étonnerait pas. Mais après le problème c'est qu'en fait. Ça existe, mais on n'a pas d'acte homophobe, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Bah après, c'est peut-être tout simplement au fait qu'il n'y a pas tant de personnages homosexuels dans les œuvres qui fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'explorer ça, mais les quelques personnages que je connais, il n'y a pas de réaction négative. Mais après, c'est plus du côté des rebelles, c'est plus établi comme étant genre, ok, bah, ça existe. Mais après, c'est très bien hein, qu'il n'y ait pas. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de représentation, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas avoir du transpédéguine sauce Netflix dans tout ce que je regarde. Non, on est d'accord. Après, je trouve ça intéressant que, justement, il y ait des. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant que ce ne soit pas non plus signifié comme étant complètement. Extra normal, tu vois ce que je veux dire, parce que justement c'est bien de normaliser quelque part et de dire ça n'a pas à être pointé du doigt non plus, quoi. Enfin, là pour le coup, pour la partie rebelle, quand ça intervient, c'est bon, bah ok, c'est point barre, tu vois. Il y a une différence entre, tu vois, trouver ça normal et considérer que c'est... tu vois, moi, enfin, voilà, je reprends dès le début ma pensée, parce que je ne sais pas parler. ce que je veux dire... Et ça y est, je l'ai perdu. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, ce soir, ça m'arrive. Ça fait deux fois que ça m'arrive, d'habitude, ça me revient tout de suite. Ah bah alors. Non, je crois que ce que je voulais dire, c'était... Non mais voilà, ça va revenir, désolé. Ouais, continuons et puis on y reviendra peut-être. Qu'on le présente dans Endor et dans d'autres œuvres du canon Star Wars, c'est tout simplement la police politique du régime. Ah oui, voilà. Moi, ce qui me fait peur, c'est la question t'es gay, t'es lesbienne, t'es ça ou ça. Tu existes seulement quand t'es normal et on te représente seulement quand t'es normal. Et normal, ça veut dire dans une relation hétéronormée. Alors, vite fait, tu vas avoir, si l'hétéronormativité dans la série, c'est des relations égales, donc pourquoi pas, hein, mais tu vas pas, tu vas juste les mettre pour faire de l'affichage, t'auras pas tous les à côté de la vie, sans parler de discrimination, hein, je parle pas de ça, hein, mais t'auras pas, je sais pas moi, la découverte de la sexualité, ce genre de choses, qui en vrai font partie de la vraie vie. Des vrais gens, il y a des personnes qui peuvent évoluer dans des rapports qui sont pas forcément monogames, mais ça c'est trop. Il y a des manières de relationner qui sont pas présentées, tu vois. Là c'est là où moi je pense que ça pourrait être super intéressant à montrer. Oui. Ou même des personnes qui se montre comme pas du tout intéressé par,
par des relations amoureuses et ou sexuelles, et qui soient ni dévalorisées, ni valorisées, ni montrées non plus comme des ermites ascètes. Juste, c'est pas leur délire. Et c'est pas grave. Je crois qu'il y en a un, justement, dans un des romans, un personnage asexuel. D'accord. Je dis peut-être une bêtise, il faudrait que je cherche, mais ça me dit quelque chose. D'accord, d'accord. Je sais pas si on a dit tout à l'heure, il y a Dissa qui nous soulignait que les clones n'étaient pas blancs. Je sais pas du tout oui. Si on l'a souligné. Alors, c'est vrai, oui. C'est vrai, parce que c'est joué. L'acteur, c'est Temuera Morrison, qui est. Je sais plus d'où il vient exactement, du Pacifique, il me semble. Je ne saurais pas dire exactement d'où, mais oui, il n'est pas blanc du coup. Ah bah d'accord, ah bah merci. Il y a White Taco qui dit c'est vrai que personnellement, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un jour sans que je pense à mon identité de genre ou à ma pansexualité, ce qui ferait de moi une relation de fiction éclatée au sol. Il dit ça qui dit oui, Pacifique, d'accord. Jango Fett, c'est le nom du personnage ? Oui, tout à fait. Bah, fait, techniquement, il joue Jango Fett et puis tous les clones, quoi, mais. C'est vachement pratique. Ouais, c'est très pratique. Ben, en vrai, ouais, que tu passes pas un jour sans penser à ton identité de genre ou à ta pansexualité, en vrai, il y a beaucoup de personnes dans ce cas, hein. T'as beaucoup de choses qui te le rappellent. Le simple fait de pas être normal, tu n'es pas normal, tu vois. Être normal, c'est correspondre à certains critères, voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Le simple fait de ne pas l'être et d'être confronté à des standards différents de à la fois ce côté et tes goûts, ben forcément ça t'y fait penser. Tu vis dans un monde, c'est normal d'y penser. Et c'est genre valide et légitime tout ce que tu veux. Hein. Non, complètement. Réal. C'est bien simple, à peu près toutes les dictatures en ont une. Le KGB en Union soviétique, l'Okhrana pour la Russie tsariste, ou encore la Gestapo pour l'Allemagne nazie. What do we do here? Sir? What is our purpose, Legret? On a Vala 6? I open the question to the room. Attendez, juste petit point, merci d'avoir parlé de la Russie tsariste dans la catégorie dictature. Non, pour le coup, on n'en parle pas. Du temps, quand on parle d'URSS, on est en train de. On parle surtout de la période stalinienne. C'est super, super cool que t'en parles, que tu mettes ça dans le même truc. Ah bah, c'est aussi une dictature avant, hein. C'est pas oui, pour rien oui, qu'il y a oui. Une révolution. Hein. Oui, oui. Bah oui, c'est une révolution, ça vient pas pour rien non plus. Ça vient pas pour rien. Et d'ailleurs, tiens, on a regardé des. Alors, parce qu'on n'y connaît rien. J'aurais dû t'inviter à ce moment-là, mais comme on le faisait un peu tous les jours, peut-être que ça, voilà. On a regardé une série de vidéos sur la chute de l'URSS. Alors les analyses, elles sont plutôt, on va dire, de droite, d'après certaines personnes du chat. Moi, j'y connais rien, hein, cette période historique. Est-ce que tu connais Gouvache D? Ça me dit quelque chose, c'est pas un youtubeur russe, oui. Enfin, d'origine russe. Oui, oui. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, c'est mon frère qui m'a dit de regarder ça un peu et j'ai pas encore pris le temps, j'avoue, de m'y intéresser. D'accord, tu me diras ce que tu penses du. Ouais. De ces vidéos et qu'on voit où chercher pour aller plus loin si on veut. Parce que c'est un peu un de tes sujets principaux, toi, sur ta chaîne, hein, l'histoire russe. Enfin, de l'URSS. Bah, en tout cas, l'URSS, je m'en suis un peu intéressé, mais après, c'est tellement vaste que. Oui. Pas non plus spécialiste, quoi. En tout cas, je vous conseille les deux vidéos, il y en a deux, je crois, sur l'histoire de l'URSS à partir des blagues. C'était vraiment trop cool. Trop, trop cool. Très, très Merci. Bon concept. What do we do in this building? Why are we here? Anyone? We're here to further security objectives by collecting intelligence, providing useful analysis, and conducting effective covert action, sir. Very good, Dedra. That is verbatim from the ISP mission statement. La loi du 26 avril 1933, qui crée officiellement la Gestapo, dit « Sa tâche consiste à enquêter dans l'ensemble de l'État sur toutes les activités politiques qui le mettent en danger, et à rassembler et évaluer les résultats de ses enquêtes. »
Une description officielle assez similaire donc entre l'ISB et la Gestapo. Mais la similitude est poussée plus loin, même dans les métaphores. Écoutez ce que dit le major Partagas sur le rôle de l'ISB. We are healthcare providers. We treat sickness. We identify symptoms. We locate germs, whether they arise from within or have come from the outside. The longer we wait to identify a disorder, the harder it is to treat the disease. Et maintenant, écoutez ce que dit l'historien Ulrich Elbert à propos de la Gestapo. Et l'objectif était que la Gestapo devienne une sorte de médecin pour le corps du peuple allemand. Oh là là. Donc le peuple allemand devait être libéré de tous les éléments qui le dérangeaient politiquement, mais aussi biologiquement. Et c'était une toute nouvelle mission. Le parallèle entre les deux organisations se poursuit également dans leur mode de fonctionnement. Tout le monde savait où elle avait ses bureaux. Ça, c'est un truc qui me semble avoir vu, je sais pas si vous l'avez vu, enfin, plusieurs fois, Usul le disait, pour les personnes qui suivent un peu Usul, il fait le rapprochement entre la manière qu'on de percevoir les fachos, la manière qu'ils ont de percevoir une société comme un organisme, comme un corps qui peut être malade, donc purger une partie des personnes, envoyer des médecins. C'est un truc qui est récurrent ou c'est spécial facho d'après ce que tu sais, Robin? Il me semble que c'est un truc assez récurrent chez les nazis, ouais. C'est ce que... L'aspect biologique, c'est vraiment un truc nazi, quoi. Fasciste... Moi, je dis facho pour parler des gens d'extrême droite. Ouais, non, mais c'est parce que tu peux aussi avoir... Il y a des petites nuances entre fascisme et nazisme. Je sais pas si les fascistes ont le même obsession sur la biologie... mais en tout cas les nazis ouais, c'est un vrai truc. J'ai fait une vidéo sur sur l'utilisation de l'archéologie par les nazis justement, et il y a un vrai truc où ils essayent de prouver par l'archéologie que en fait tous les grands monuments, les grands trucs de à travers l'histoire, en fait ça a été fait par des Allemands en fait et des Germains. Et parce que pour montrer qu'il y a une continuité de prestige de la race entre les Germains de l'Antiquité qui ont construit les pyramides, puisque évidemment c'est les Germains qui ont construit les pyramides, comme chacun le sait, et jusqu'aux Allemands du Troisième Reich, tu vois. Alors il y a Iser qui dit, il me semble qu'il y avait pas mal, qu'il avait parlé dans le stalinisme, si je me trompe pas, avec les délires d'hommes nouveaux, entre autres. Alors j'ai l'impression que ce que tu... Alors ouais, il y a de l'homme nouveau, mais c'est pas un aspect biologique par contre, c'est idéologique. Mais oui, il y a aussi une idée d'homme nouveau dans le communisme du début de la révolution, ouais, tout à fait, et jusqu'au stalinisme. Ouais. D'accord. Mais c'est moins, c'est pas biologique, c'est plus on va changer les gens et on va créer un homme nouveau qui sera débarrassé de l'égoïsme, qui sera débarrassé de voilà tout ça. Ouais, il y a une valorisation de critères, on va dire, moraux, et qu'on dit qu'on va transformer. D'accord. C'est plus de la morale qui n'est pas inhérente à ta biologie, mais qui peut se développer si on t'amène la bonne idéologie. C'est ça le truc? Voilà, c'est ça. On va rééduquer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des réformes de l'éducation qui font que l'école devient mixte en URSS dans les années 20. Pour comme ça, ils disent bon, on va mettre les petits garçons et les petites filles ensemble, comme ça va aider à ce que les préjugés patriarcaux, se désagrègent un peu. Bon, c'est dans les faits, ça n'était pas tellement produit, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est ce qu'ils voulaient faire, quoi. C'est vrai que c'est parmi les premiers à avoir. Occidentaux plus ou moins à avoir eu un discours féministe d'État aussi puissant, en fait. Si c'est pas les premiers. Oui. Je parle de discours, fait, hein. Oui, bien sûr, oui, dans les faits. Je renvoie à la vidéo sur les femmes soldats, mais il y a quand même des efforts qui sont faits dans les discours pour et même dans les actes, il y a des choses qui sont mises en place. Alors le fait est que ce n'est pas une efficacité redoutable, parce que enfin, si la société russe aujourd'hui n'était pas patriarcale, ça se saurait. Mais en tout cas, il y a des tentatives qui sont faites.
Note surtout au début, quoi. Des tentatives officielles. Après, justement, ça nous apprend comment, si jamais il y a des institutions qui sont qui arrivent à être au pouvoir de la population, comment faire en sorte d'utiliser correctement. Parce que là, il y avait que le discours, il y avait vite fait deux trois, deux trois mesures, comme le fait de rendre les écoles mixtes, mais j'imagine que dans les faits, les enseignants, etc., n'étaient pas particulièrement formés dans le détail. Et forcément, ça change des choses. Bah, y avait des formations, mais c'est surtout qu'après, t'as des retours en arrière, quoi. Par exemple, c'est intéressant, ça. Idéologiquement, tous les enseignants étaient formés, mais tu vois. C'est, je pense, le premier pays à autoriser l'avortement dans les années 20, mais c'est aussi un pays qui revient sur cette décision en 1936. Il faut faire des enfants, et donc du coup, on arrête les conneries, quoi. Oui, c'est pas ça que je disais. Ce que je voulais dire, c'est que si les gens sont formés idéologiquement, les hommes et les femmes sont égaux, point, super, ils vont pas en savoir autant que nous qui sur la question. Sur les questions féministes, on va juste leur dire, traitez-les à peu près pareil, mais ils vont continuer à ne pas les traiter pareil. Il va y avoir des rôles de mère au foyer qui vont continuer à exister de façon aussi répandue, plutôt que de parents. Enfin, voilà, là je fais un peu mon woke. Et il faut faire son woke aussi de temps en temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si derrière, la société suit pas et propose pas des structures qui accompagnent tous ces changements, c'est pas possible. Là, il y a eu une prise de pouvoir des institutions officiellement par le peuple, ce qui est... Bon, la suite nous dit que non. La suite nous vous fait bien comprendre que non. Mais c'est aussi en ça que ça n'a pas été suivi d'effet sur le plan féministe, et c'est aussi pour ça que, en 36, comme tu dis, faites des gosses, on enlève la contraception, l'avortement. La contraception, peut-être qu'elle existait déjà avant. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, c'est dès qu'il y a des crises, toutes les avancées dont ont pu profiter les femmes, on voit disparaître, hein, donc c'est les premières choses qui sont menacées. C'est vrai. Mais après, il y a quand même des effets concrets, puisque dans la guerre, il y a quand même beaucoup de femmes qui pensent que leur place est sur le front, et qui s'y rendent et qui parviennent à se battre. Et, je vais pas refaire toute la vidéo, mais non, bien sûr. Allez-y, courez la voir. Hein. Il y a toujours eu des avancées liées aux guerres pour les femmes, parce que du coup, manquant de main-d'œuvre, entre guillemets, elles ont dû prendre un rôle plus, entre guillemets, enfin, masculin, parce que voilà, pour se rendre compte que finalement, elles faisaient très bien le job et qu'on pouvait le leur laisser, sauf qu'il y a toujours eu une reprise du pouvoir une fois les guerres terminées et une remise en question. Enfin, les avancées féministes ne sont faites que d'un pas en avant et trois en arrière en permanence. Ah oui. C'est long, c'est fastidieux et c'est continuel. Je veux dire, il suffit de voir aujourd'hui la régression du droit de l'avortement dans certains pays, quoi. Tout à fait. Voilà. La seule différence, en l'occurrence, c'est que dans les... Par exemple, aux États-Unis, etc., où il y a eu des avancées, des femmes qui sont mises à travailler parce que les maris n'étaient pas là et étaient partis à la guerre et tout ça... La seule différence en Union soviétique, c'était que c'est la théorie d'avant-guerre qui leur a permis de se dire on va pouvoir aller à la guerre, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Alors que aux États-Unis, par exemple, c'est plus le fait qu'il manque d'hommes pour les usines qui a forcé les gouvernements à envoyer les femmes là-bas, et après il y a eu une prise de conscience, tu vois. Ça sert toujours à un régime, quoi qu'il en soit. En fait, c'est sûr. Moi j'ai l'impression, le sentiment que j'ai à travers l'histoire et les faits, c'est que le féminisme n'a avancé que lorsque ça servait une idéologie ou un régime quel qu'il soit. Alors dans le cas où ce n'était pas le cas, c'est parce qu'il y a eu un soulèvement et un mouvement beaucoup plus fort qui a entraîné un changement de pensée et une évolution des mœurs. Les différentes révolutions féministes qui ont pu avoir lieu, que ce soit avec les suffragettes, que ce soit
derrière avec la deuxième vague féministe dans les années 60-70, à chaque fois ont permis des évolutions, mais ces évolutions ont toujours été plus ou moins soit remises en question, soit mises en danger par d'autres choses qui servaient le régime, qui servaient la société, etc. Donc, c'est-à-dire que les pas qu'on a pu faire ont été rattrapés par d'autres pas de la société qui sont venus plus ou moins, pas étouffer, mais mettre dans du coton ou dans du formol l'évolution. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a eu un backlash aussi dans les années 80-90. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, quand tu les repenses avec notre point de vue aujourd'hui, bah, en fait, tu comprends que c'est un combat permanent, en fait. C'est un truc qui se finit jamais et c'est un truc qui n'est pas sécure. C'est un truc qui n'est pas certifié. C'est pas parce que ça a avancé à un moment donné que c'est acquis, que c'est gagné. Et ça, c'est là que c'est problématique. Et tu l'as encore démontré avec le régime soviétique de toute façon. Donc, Alors, je ne vais pas faire de mansplaining, mais j'ai le droit parce que je suis PD. Non, pas du tout. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ah, putain, je savais Attention, pas. hein. Non, ça marche pas, je te rassure, ça marche pas Non. du tout. Ah, ok, d'accord. Non, non, ça marche pas du tout. Non, justement, c'est. Les gays sexistes, il y en a aussi à l'appel. Ah, Hein. c'est un Ah gros délire. bon? Hein. Même à l'intérieur des LGBT, il y a beaucoup de gens qui sont très très G et pas très très L. Je vois Pas très très ce que tu veux T. dire. Bref, moi j'ai plutôt l'impression. Alors je dis pas que tu dis de la merde, au contraire. Hein, c'est en complément avec ce que je comprends des choses. Moi j'ai plutôt l'impression que ça sert. Alors effectivement, tu parles d'intérêt guerrier, mais que ça sert aussi une économie et des intérêts matériels, en fait, d'amener. Bah, ne serait-ce que d'amener les enfants à lire, à aller à l'école pour lire, bah, c'est pour pouvoir se servir des machines dans les usines. D'amener les femmes à travailler, bah, c'est pour pouvoir avoir des personnes qui travaillent La main d'œuvre supplémentaire. et voilà, une main-d'œuvre. Et dite docile, d'ailleurs, c'est encore le cas dans les stéréotypes aux usines, ou même un peu partout, hein. Non, complètement. Donc tu vois, toutes ces avancées-là, elles sont aussi, enfin, elles sont, je dis pas qu'elles sont qu'il n'y a pas de lutte pour que ça existe, hein, je dis pas ça. Il y en a parfois qui sont faites passer comme avancées parce que elles sont compatibles avec ceux qui détiennent le pouvoir. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est surtout le, pardon, c'est pas exactement ça que je veux dire. Je reviens. Voilà, je rectifie. Le fait de mettre en avant certaines avancées plutôt que d'autres, c'est plus ça que je veux dire. Le fait de mettre en avant le fait que des femmes travaillent, qu'elles aient. Et le fait de maxer le curseur sur regarder la différence salariale, c'est très grave. Je dis pas le contraire. Hein. Ça écarte les problèmes que peuvent vivre des femmes de classe populaire, quoi. Non, mais enfin, j'ai très bien compris ton propos et pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme dans les médias, en fait. Tu mets une autre information pour masquer une qui est plus gênante, quoi. C'est la même chose. Ah bah c'est tout à fait dans le terme et on va reparler de ça tout à l'heure. Ah bah... Tu T'es pas là pour rien. fais bien de nous Non mais c'est relancer parce que vraiment la dernière phrase, ça correspond à ce que dit quelque chose que dit Nemic dans la série. Toi qui l'as vu, tu vas dans savoir. Mais on en reparlera tout à l'heure. Yes, carrément. Bah allons-y. N'hésitez pas à intervenir, les gens du chat, si vous trouvez que ce qu'on dit, c'est un peu n'importe quoi, ou si vous êtes d'accord, ou si vous voulez... Non, non, intervenez que si vous êtes d'accord. ou si vous voulez confirmer un point, infirmer, aller plus loin sur un truc ou un autre, voilà. On n'est pas là pour rien, on est là pour vous. Je dis pas que non plus, vous êtes obligé... Quand on n'est pas là pour rien, c'est pas ça que je veux dire. On est d'accord, hein, Nuki et Robin, ils sont vraiment ouf, hein. Ah, c'est gentil. Oh, merci, c'est trop adorable, Jérémy. Mais Jérémia, en fait, parfois, il est là en position d'écoute, et il dit rien, mais il est là attentif. Donc, vous inquiétez pas, il y a aussi beaucoup d'autres personnes dans le cas de Jérémia. C'est dans l'annuaire téléphonique. Donc, tout le monde connaissait son existence et tout le monde savait comment la joindre si nécessaire. Au début, il y a eu plusieurs reportages qui sont parus dans des journaux allemands, commandés par la Gestapo, ou écrits par des journalistes, qui racontent la perfection et l'infaillibilité de la Gestapo.
Eh ben, dis-toi que Robin, t'es pas un ancien prof, toi aussi? Tout à fait. T'étais prof de lycée pro, il me semble. Tout à fait, c'est ça. Ouais, voilà. Courage. Vous êtes... Courage, Jérémy. Sa modernité, à quel point elle sait tout ce qui se passe, elle voit tout, rien ne lui échappe. C'est elle-même qui a créé ce mythe. Comme la Gestapo, l'ASB est une institution qui n'a rien de véritablement secret. Tout le monde en connaît l'existence et redoute son pouvoir, notamment Mon Mothma ou So Guerrera. Ces locaux sont clairement identifiables et situés dans un endroit qui est visiblement très passant et facile d'accès puisque notre cher Cyril peut tranquillement faire son stalker devant. Même ses agents portent un uniforme particulier complètement blanc qui permet de les reconnaître aisément. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut reconnaître le colonel Yularen, dirigeant de l'ISB et qu'on peut voir dans la série Endor, et qui apparaît dès le premier film Star Wars, lors de la réunion à bord de l'Étoile Noire. Ici. Tout comme l'ISB dans le show, les principales sources d'informations de la Gestapo de la sont les dénonciations de civils qui agissent soit par idéologie, soit par appât du gain. Double the reward. Vous comprenez la référence, je dis magnifique. Où est-il? Pretend you're arresting me. Ou alors en utilisant la torture sur des prisonniers qui peuvent alors livrer des informations, voire être transformés en agents doubles. Cette méthode va faire des ravages dans les rangs de la résistance. C'est d'ailleurs une des principales hypothèses sur ce qui aurait permis à la Gestapo de capturer Jean Moulin, le chef de la résistance française, qui aurait été trahi par un autre résistant. La terrifiante scène de torture qu'on retrouve dans Endor, où la pauvre Bix est torturée uniquement par des sons, est-elle sans doute plutôt inspirée par les tortures infligées par la CIA à Guantanamo ou en Irak à l'aide de musique. Enfin, la manière dont l'ISB applique une politique de représailles après l'attaque rebelle sur Aldani trouve aussi ses inspirations dans les méthodes de maintien de l'ordre du Troisième Reich. The following measures will be adopted empire-wide as of today. A tribute tax equal to 5 times the amount stolen from Aldani will be levied on any sector harboring partisan activity. We will make it clear that no one steals from the Empire. Any criminal act with even indirect effect on the Empire will henceforth be branded a Class 1 offense. All prison sentences are immediately re-evaluated. All outstanding fines and levies are to be paid in full. Exemple en France. Après une série d'attentats contre les troupes allemandes, le commandement allemand publie le communiqué suivant le 14 décembre 1941. Des soldats allemands ont été assassinés dans le dos et blessés. En aucun cas, les assassins n'ont été arrêtés. Pour frapper les véritables auteurs de ces lâches attentats, j'ai ordonné l'exécution des mesures suivantes. Une amende de 1 milliard de francs est imposée aux juifs des territoires français occupés. Un grand nombre d'éléments criminels judéo-bolcheviques seront déportés aux travaux forcés à l'Est. D'autres déportations seront envisagées sur une grande échelle si de nouveaux attentats venaient à être commis. 100 juifs, communistes et anarchistes qui ont des rapports certains avec les auteurs des attentats seront fusillés. C'est quand même... on le dit jamais assez, hein. Il faut le rappeler, judéo-bolchevique, on réutilise la construction... Encore maintenant dans d'autres dénominations, hein. L'islamo-gauchisme, ça vient pas de nulle part. Hein. Voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, mais d'ailleurs, on l'entend plus trop en ce moment, j'ai l'impression, l'islamo-gauchisme. J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. Ah bon, on sait pas, plus ou moins. Ouais, je sais pas. Oh, Walidia, il l'utilise beaucoup. Pardon ? Walidia, il l'utilise beaucoup. Ah, ok. Walidia, c'est un humoriste, je sais pas si tu connais, Robin. Ah, ok. Quoi de mieux pour dépeindre... J'allais dire, c'est... J'allais dire ce... Comment ça s'appelle ? Putain, je suis... Les mots partent. Ils disent terrorisme de gauche maintenant, ils sont passés à la... Ah oui, c'est vrai, ils parlent de terrorisme, c'est vrai. Les casseroles, c'est du terrorisme. C'est vrai. Des armes de destruction massive. Ah bah, au moins. C'est vrai. Oui, j'allais dire, c'est délire d'amende à mettre sur des populations quand il y a des éléments qui partent en couille selon l'occupant. Mais c'est super efficace pour que les gens se fliquent entre eux et se pourrissent la gueule entre eux. En plus de justifier
une expropriation un peu plus forte. Enfin, c'est pas le bon mot expropriation, mais vous m'avez compris. En plus de justifier le fait qu'on les domine encore plus, c'est bien trouvé, c'est salement bien trouvé. Bah, tu sais, c'est le diviser pour mieux régner, hein, et il y a d'autres façons de le faire. Oui, spoliation, oui, j'irais bien, oui. Et puis c'est plus facile de s'en prendre aux voisins que tu crois avoir être responsable que à ceux qui te pourrissent la gueule, hein. C'est un peu comme le coup des. On en revient à la même mécanique que les Cherokees, c'est plus facile de les insulter parce qu'ils ont parce que dedans il y a des gens qu'on trouve traîtres que les colons blancs européens puis états-uniens sont venus, hein. Clair. Pour le fascisme de l'Empire, que de s'inspirer pour créer son principal organe de répression d'une des pires polices secrètes de l'histoire. Mais l'oppression et l'aspect répressif de l'Empire s'expriment encore mieux par le biais d'un des arcs les plus intéressants de la série, celui de la prison de Narcan Archive. Cette scène. Dans la série, Cassian est condamné ironiquement pour des actes qu'il n'a pas commis, à la suite d'un jugement très expéditif. 6 years. 6 years. No, no, wait. But... Change of guidelines. I didn't do anything. Hey. Take it up with the emperor. Tout ça alors qu'il avait décidé, après le succès du braquage d'Aldani, de ne pas s'engager dans la rébellion et simplement aller se la couler douce sur une planète qui semble dédiée au tourisme et à la farniente. Mais comme l'illustre la série, on ne peut pas vraiment connaître de paix dans une société totalitaire, même si on décide de l'ignorer. Cassian est donc envoyé en prison, une prison où tous les détenus sont forcés de travailler. Les condamnations à des travaux forcés sont un classique à travers l'histoire, mais on va s'intéresser plus particulièrement à deux exemples qui ont pu inspirer Tony Gilroy. Le premier a déjà été pas mal évoqué dans les médias, car beaucoup ont vu dans cet arc de la prison une critique du système carcéral américain. Et en effet, selon un rapport de l'ACLU, Union américaine pour les libertés civiles de 2022, près de 76% des prisonniers qui travaillent aux États-Unis sont obligés de le faire sous peine de subir des punitions supplémentaires, comme le fait d'être envoyé en. Et je sais pas si tu le dis après, mais. C'est de l'esclavage, hein, ce travail en prison, hein, parce qu'il. Spoiler! Mais arrête de spoiler! Ils sont sous-payés, hein. C'est incroyable! C'est incroyable! Pour toutes les questions de prison, il y a une chercheuse et militante très connue. Ouais, mais je divulgage, je spoil. Divulgage total. non, mais c'est parce que je suis visionnaire! Oh. Ah, c'est ça! C'est ça. Non, mais dis-le que t'as regardé la vidéo non, en avant. Justement, je te jure, depuis que je l'ai vu, tu sais, avant que je t'envoie un message que je te propose de venir, j'étais là, je trépignais, j'avais envie de la voir, cette putain de vidéo. Non, mais en plus, t'as envie de voir une vidéo dont tu n'as même pas vu la série et du coup, t'es en train de te spoiler encore plus le truc, quoi. Mais c'est pas grave, honnêtement, les gens qui viennent ici, à qui je propose de venir, c'est vraiment des gens qui font des choses de qualité, c'est pas pour rien qu'ils viennent. Donc c'est aussi pas pour rien que j'avais envie de regarder la vidéo et peut-être de voir la série. Là, ça me donne envie, ça m'énerve. C'est cool. Star Wars. Mais c'est bien, il faut regarder la série. Elle est géniale, franchement, elle est géniale. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour toutes les questions carcérales, anti-carcérales, anti ça. Je vous invite à vous renseigner sur. Attendez, je vais vous donner son Twitter sur Gwenola Ricordo. C'est une des plus connues qui en parle. Elle est très accessible. Il y a un thread de ses threads où elle. Donc c'est une chercheuse et militante. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent déjà ici, mais pour les personnes qui découvre, voilà. Elle a beaucoup écrit à ce sujet, elle est très très bien, voilà. On fera peut-être un truc spécial encore sur elle. En isolement. Les prisonniers de Narkina 5 dans Andor n'ont pas le choix non plus, même si dans leur cas la punition est un peu plus vigoureuse. Les prisonniers américains sont payés avec des salaires extrêmement bas. Par exemple, en Louisiane, ils sont payés 4 cents de l'heure.
Dans quatre États, le Texas, la Géorgie, l'Arkansas et l'Alabama, le travail des prisonniers n'est même pas payé. Ah et bon à la place, ils peuvent recevoir des récompenses non monétaires, comme ce qu'on voit dans Endor. When it gets taste with their food, top table wins flavor. Attendez. Bon, qu'ils soient payés une bouchée de pain, une miette, non pas ça encore, mais je le savais déjà. Mais là, on se fait du pognon sur eux, on se fait une marge phénoménale, et ils ne touchent rien. C'est ça. Ils peuvent avoir des trucs comme éventuellement des remises de peine, ou alors des promenades plus longues, ou alors enfin des petits avantages comme ça, mais ils sont pas payés. Des avantages en nature, hein. Voilà, c'est ça. C'est contre nature, hein. Mais c'est affreux. Vous voyez, quand on vous dit que le capitalisme, il cherche toujours, il cherche pas à combler les besoins des personnes en fonction de leurs moyens, mais il cherche juste à faire le plus de marge possible. C'est affreux. Parce que il me semble qu'aux États-Unis, c'est bien des entreprises qui possèdent les prisons et qui les gèrent. Alors, je ne sais pas si elles possèdent. Il y a les deux. Il y a des prisons fédérales et des prisons qui sont gérées par des entreprises. Ouais. Tu m'étonnes qu'on cherche à amortir les coûts, du coup. Vu que c'est pas pris en charge par l'État. Bon, pour d'autres raisons, je préférerais que ce soit pas... ça n'existe pas, mais on en parlera une autre fois. C'est fou. Alors attendez, on a donc des gens qui sont forcés de travailler, sous peine d'être punis, et qui, dans certains cas, ne touchent même pas de rémunération pour ce travail. Ce serait pas ce qu'on appelle de l'esclavage, par hasard? Alors, je sais bien que les quatre États que j'ai cités étaient esclavagistes, mais oui, quand même, j'ai pas rêvé. C'est le Nord qui a gagné la guerre de sécession. Ils ont bien aboli l'esclavage, non? Alors, je vous rassure, on ne vous a pas menti. Les nordistes ont bien gagné, et l'esclavage a été aboli. Sauf que l'amendement qui abolit effectivement l'esclavage dans la Constitution américaine affirme « Ni esclavage, ni servitude involontaire ne peuvent être pratiqués aux États-Unis. Sauf en tant que punition pour un crime auquel une personne aurait été condamnée par la justice. » C'est donc l'amendement qui abolit l'esclavage qui permet aujourd'hui d'obliger des gens à travailler pour rien. Sacrée ironie, hein. Mais revenons à Cassian Andor et à ses codétenus. Dans sa prison, on se rend vite compte qu'on manque un peu de gardiens, et donc ces derniers délèguent un peu de leur pouvoir de surveillance à un autre détenu, responsable de maintenir la cadence de travail et de contrôler les prisonniers pour qu'ils se tiennent tranquilles. Dans la section de Cassian, c'est le fantastique personnage de Kino Loy qui tient ce rôle. My name is Kino Loy. I'm the 52D unit manager. The 49 men in this room answer to me. Name? Kiv. Kiv Gergo. You won't be back. They only come to pick up the dead and bring their replacements. You're mine now. Off program! Dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie, on a le système des capots, des prisonniers qui sont chargés de veiller à la bonne marche du camp, de veiller à ce que le travail soit bien fait, vérifier la cadence, prévenir les tentatives d'évasion, en échange de quoi il reçoit des avantages. Ce sont souvent des criminels de droit commun qui profitent de leur pouvoir pour se montrer cruels et violents, oui, ajoutant capots, à la terreur du camp. Mais cela pouvait aussi être des prisonniers politiques qui, pour certains, au contraire, essayaient d'utiliser leur position pour préserver au mieux les autres détenus et les mettre à distance de la SS. Ce fut par exemple le cas de Harry Nojot. J'allais dire, t'as un exemple? J'en ai marre! Arrête de pré-shot! J'en ai marre! Non, c'est brillant, c'est très très brillant ce que tu as fait là. Vraiment. J'en ai marre! Non, c'est très très bon. Résistant au nazisme. Mais le pouvoir de ces capots reste limité à la satisfaction qu'ils apportent aux SS. Après 3 ans et demi à servir comme doyen au camp de Sachsenhausen, Harry Nojox perd sa position et est envoyé dans un autre camp qui pratique l'extermination par le travail. D'où il parviendra tout de même à survivre grâce à la solidarité entre prisonniers. Kino Loy dans la série est sûrement inspiré par ce genre de capots qui ont essayé de maintenir leurs co-détenus en vie en essayant de faire tampon entre eux et les SS qui gèrent le camp. Mais comme quoi, vous voyez, quand on apprend des trucs... C'est du wall hack.
quand on apprend des trucs du passé, en vrai, il y a des choses qui nous rajoutent de l'espoir parce que souvent on se dit, il y a des révoltes qui n'ont pas marché, il y a ci, il y a ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des exemples de personnes qui prennent du pouvoir et qui. On vous a déjà parlé des conneries de 1000 grammes et qui sont complètement anti-1000 grammes. Du coup, et ça réchauffe le cœur là. T'as Mais d'autres. en fait, enfin, tout ce passage dans Andorre, dans la prison, est juste fou. Je ne sais pas jusqu'où tu vas dans ton analyse, mais le dénouement de cet arc est incroyable. Et Andy Serkis est juste merveilleux dans ce rôle. Voilà. Je Ah, ne spoil il pas est plus. formidable et on en reparle après parce que là donc l'idée de la vidéo c'est que la première partie c'est on voit toutes les oppressions et la deuxième partie on va voir toutes les révoltes et les Ah. résistances qui vont avec ça donc du coup on va reparler de la prison on va reparler d'Andy Serkis et de sa performance incroyable que j'ai eu la chance de le voir à la Star Wars Célébration c'était à 50 mètres de moi, c'était incroyable. Ah, trop bien. Il a fait le off-programme. Énorme. C'était incroyable. Et C'était incroyable. je rappelle et je précise aussi que les actes de résistance ouverte, ça existe évidemment, hein, mais il y a toutes ces petites, ce qui paraît être des petits trucs, genre les gens qui freinent en entreprise, qui font du freinage, les gens qui font tout pour se préserver les gens qui leur sont chers, mais essayer de faire obstacle, toutes les petites actions de sabotage, bah, ça compte. Ça compte. Et c'est ça qui amène à se révolter de façon plus forte Exactement. et plus puissante plus tard. Donc il faut Et pas nier ça. c'est justement, et bah, là pour le coup c'est pas un passage que j'ai mis dans la vidéo, mais il y a un des personnages qui parle de ça, il y a un personnage qui justement écrit sur les oppressions et les résistances, et justement dans son texte, il dit bah, faut essayer en fait. Le plus petit des actes d'insurrection compte et fait pencher la balance de notre côté et nous fait avancer. Et tout compte et il faut essayer en fait, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, Et j'adorerais que le texte dont il parle dans la série existe vraiment, quoi. ah ouais, je l'achète direct. Pareil. J'aimerais trop un beau poster, tu vois, qui reprend ça, ce texte-là. J'aimerais trop ça. J'aimerais trop. Allez, s'il arrive, s'il sort, on t'enverra un message. C'est J'envoie. gentil. Ah. Alors je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, j'essaye de couper le moins possible. Comme ça, si vous avez des questions, on aura peut-être le temps de pouvoir y répondre. Je vais essayer de plus trop intervenir. Ok, Let's face à go. l'oppression. Vous pouvez, hein. C'est juste moi qui coupe toutes les 2 minutes pour... D'accord. Ça marche. La première des résistances qui s'organise spontanément est la solidarité entre les individus. Dans Endor, ça s'exprime de différentes manières. Le mensonge pour couvrir Cassian. Whatever this is, when it's done, pull your boots on and get to work. You look like a wreck. I knew I could count on you. Héberger et cacher Cassian lorsqu'il est en fuite, prendre soin de sa mère lorsqu'il ne peut pas lui-même, ou encore un acte de résistance plus ouvert, prévenir de l'arrivée des forces de l'ordre dans la ville en tapant sur des bouts de métal. Ce qui, en plus de donner l'alerte, met bien la pression sur ces dernières. C'est très casserolier hein, tout ça. Ah, les casseroles, tu vas voir, les casseroles. Ouais, incroyable ce passage aussi. d'ailleurs, on a des exemples de pratiques un peu similaires, comme sous le Directoire en France, où on faisait sonner le tocsin dans certains villages à l'approche des gendarmes pour prévenir les réfractaires à la conscription qu'ils devaient se cacher.
Ou encore plus parlant, en Irlande du Nord, quand les femmes tapaient sur le couvercle métallique de poubelle pour prévenir les combattants de l'IRA de l'arrivée de soldats britanniques dans les environs. Une pratique très commune pour les femmes catholiques d'Irlande du Nord pendant tout le conflit. Ah, mais non. C'est mon chat qui me tape dessus quand je vape, du coup je me mets des coups dans les dents. Les poubelles ou les casseroles. Jusqu'à aujourd'hui, notamment pour son pouvoir intimidant assez efficace, comme vous pouvez le voir sur ces images de la Fosse-sur-Mer pendant les récents mouvements de protestation contre la réforme des retraites. Allez. C'est ça, Jogoya, c'est à ça que... Allez. Clairement, la ville d'où vient Cassian est ouvrière. C'est essentiellement du démantèlement de vieux vaisseaux, visiblement, mais en tout cas, c'est définitivement une ambiance prolo. Et non pas frollo, parce que ça, c'est le bossu de Notre-Dame, ça n'a rien à voir. Justement, dans le monde ouvrier européen du 19e siècle, on retrouve beaucoup cette solidarité. Plus particulièrement entre les militants de l'Association Internationale des Travailleurs, ou AIT. Par exemple, le militant de l'AIT, Pierre Vésigné, écrit un pamphlet contre Napoléon III, le mariage d'une Espagnole, et il est arrêté par la police. Une souscription est lancée pour l'aider à payer ses frais de justice et l'amende à laquelle il est condamné. Les militants en exil, en fuite, surveillés par la police ou en difficulté financière, peuvent aussi recevoir de l'aide pour se cacher, un hébergement ou une aide financière. Les familles reçoivent aussi du soutien quand les ouvriers sont arrêtés, voire même tués par la répression. Des réseaux de solidarité se mettent aussi en place à la suite de la terrible répression de la Commune de Paris en 1871, notamment pour aider les communards à fuir à l'étranger. Mais pour passer des actes de solidarité à des actes de résistance plus directs, il faut prendre conscience de l'oppression, de sa nature et de son ampleur. C'est là que les écrits peuvent avoir leur importance. Dans la série, c'est Nemic et son manifeste qui parvient à mettre des mots sur ce que représente la domination impériale. Et c'est en partie grâce à lui que Cassian passe de simple voleur à révolutionnaire convaincu. I mean, it's so confusing, isn't it? So much going wrong, so much to say, and all of it happening so quickly. The pace of repression outstrips our ability to understand it, and that is the real trick of the Imperial thought machine. It's easier to hide behind 40 atrocities than a single incident, but they have a fight on their hands, don't they? Our elemental rights are such a simple thing to hold, they will have to shake the galaxy awfully hard to loosen our grip. Et là, je trouve qu'en ce moment, ça se ressent vraiment très très fort, quoi. Le coup de... C'est plus facile de se cacher derrière 40 atrocités que derrière une seule. En ce moment, il y a tellement de trucs tous les jours. Tous les jours, des affaires, des machins, des trucs, des déclarations horribles, que je le ressens vraiment, ce truc-là. Ouais, en fait, on multiplie tellement les saloperies qu'on ne sait plus où donner de la tête et c'est encore plus difficile, quoi. Et eux, ils passent... On les voit plus, surtout. Mm-hmm. On les voit plus. Ouais. C'est qu'on, là, on a les moyens de les connaître. Mais ces saloperies, elles ont toujours existé, plus ou moins. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, le fait que, là, tu vois, en ce moment, il y a des trucs tous les jours... On apprend des saloperies tous les jours et du coup tu sais plus où donner de la tête et je dis la série tu vois que si, c'est vrai que si alors que s'il y avait une affaire là on tu vois on se focaliserait dessus et peut-être qu'il y aurait plus de conséquences mais là tu vois il y a des affaires qui devraient aboutir à minimum à une démission de ministre toutes les semaines presque tu vois et rien n'arrive rien. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, ils multiplient ça tout le temps et que la semaine d'après, t'as oublié parce qu'il y a un nouveau truc, en fait. C'est ce que je disais un petit peu sur le fait de... Enfin, sur les médias tout à l'heure, c'est qu'il suffit de me rajouter un truc pour cacher le truc précédent et ainsi de suite. Et au final, bah, tu sais même plus ce qui se passe, en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, là, j'ai quand même l'impression que la majorité de la population est bien remontée. En France, du oui. moins. Oui. Oui. Voilà. Quand on dit qu'on en a plein le cul, on en a vraiment plein le cul. Tout ce qu'il faut, à mon avis, c'est une vraie direction à prendre. Quand on parle de grève, faire grève à partir de tel moment. Enfin, après, ça nous coûte, c'est sûr. Hein, mais vraiment, l'intention, elle existe. Moi, de ce que j'ai observé. De ce que j'ai observé, il manque plus que ça, quoi. Un vrai mot d'ordre. Après, j'ai peut-être des bêtises. Hein, je suis pas très. Mais peut-être que Cassian peut nous donner des leçons finalement, clairement. C'est vrai. Aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que je coupais pas, merde. Let's go. Ah, c'est moi qui ai interrompu. Bon, au manifeste du Parti communiste de Karl Marx, inspirateur de nombreuses révoltes et révolutions au cours du XXe siècle.
On peut également citer Lénine qui écrit « L'impérialisme, dernier stade du capitalisme » juste avant la révolution russe, ou encore bien plus tôt « Qu'est-ce que le tiers-état » par l'abbé Sieyès en janvier 1789 et qui décrit la situation politique française. Qu'est-ce que le tiers-état ? Le plan de cet écrit est assez simple. Nous avons trois questions à nous faire. Qu'est-ce que le tiers-état ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. Toutefois, dans ces trois exemples, les auteurs sont des leaders politiques, des intellectuels qui ont une position différente de celle de Nemik, qui lui, en plus de ses écrits, est aussi un combattant qui participe à des actions armées. On pourrait plus se rapprocher d'un Che Guevara qui, outre son rôle de combattant dans la révolution cubaine, a également beaucoup écrit avant, notamment son carnet de voyage Voyage à motocyclette qui contient beaucoup de réflexions politiques, mais aussi après la révolution avec par exemple la guerre de guérilla en 1960. Bon, maintenant on a tous les ingrédients pour lancer la lutte armée contre l'oppression et entamer le processus révolutionnaire. Mais quand on affronte un monstre aussi énorme que l'Empire, forcément, la lutte va prendre du temps avant d'éventuellement l'emporter. Et faire la guerre, même pour une bonne cause, ça coûte cher. What would we be stealing? The quarterly payroll for an entire imperial sector. Endor nous fait découvrir un aspect qui n'avait jamais vraiment été abordé jusqu'à présent dans les films et séries Star Wars, la question du financement de la rébellion. Dans la série, cette question est centrale. D'une part avec le personnage de Mon Mothma, qui se retrouve dans la mouise après avoir largement utilisé sa fortune familiale pour financer les rebelles, et avec ce qui nous intéresse ici, le braquage de la garnison d'Aldani, où notre bande de rebelles parvient à dérober la somme des troupes impériales de tout un secteur, ce qui a l'air de faire un beau pacte, même si cette victoire leur coûte très cher. Le braquage comme mode d'action pour financer la lutte est une pratique qui s'est beaucoup vue au cours du XXe siècle. On peut par exemple citer l'anarchiste ukrainien Makhno, qui a pratiqué des hold-up de riches bourgeois, et ça a été pratiqué jusqu'à assez tard, avec notamment le groupe anarchiste Action Directe en France dans les années 80. Mais pour le coup, Tony Gilroy a dit dans une interview à Rolling Stone ce qui l'a directement inspiré, Staline. Et oui, avant d'être un dictateur cruel, Staline était un jeune révolutionnaire de terrain dans l'Empire russe. Dans le cadre de ses actions révolutionnaires, il organise de nombreux braquages, mais le plus connu et le plus spectaculaire est celui de Tiflis en 1907. Ah, le personnage de Staline fait attaquer une diligence qui transporte de l'argent vers une banque par des hommes et des femmes qui lui sont dévoués. L'attaque a lieu en pleine ville et on ne peut pas dire qu'elle soit subtile. Par exemple, les révolutionnaires lancent de multiples petites bombes sur le convoi et son escorte, puis ils ouvrent le feu sur les policiers en faction devant Staline, la banque. C'est Agathe. Ça tourne vite au carnage. Près de 40 personnes sont tuées et encore plus de blessés. Le bras droit de Staline, un certain Camo, débarque déguisé en capitaine de cavalerie au milieu du bordel. Avec l'aide de ses complices, il charge l'argent dans une charrette et file. En chemin, il rencontre un fourgon de police qui arrive en renfort. Camo leur hurle « L'argent est en sécurité! Filez vers la place !» Et il s'exécute. Le butin est mis en sécurité, on l'estime à peu près à l'équivalent de 3 400 000 euros d'aujourd'hui. Une bien jolie somme pour un seul braquage. Et malgré le bain de sang, aucun des révolutionnaires impliqués n'est arrêté ou tué. L'affaire fait la une des journaux dans toute l'Europe. Mais malgré le succès financier de l'opération, le nombre de morts scandalise jusque dans le propre camp de Staline, qui se fait éjecter du parti bolchevique géorgien. Par la suite, il n'ira toujours avoir été à l'origine de ce braquage, même si on le sait aujourd'hui que c'était bien son idée, et qu'il en a encore organisé plusieurs après celui-ci. Le problème, oui, je sais, j'ai dit, mais j'ai menti. t'as tenu longtemps. J'ai tenu longtemps. Mais le problème avec ces trucs-là, c'est vrai que... alors, on a l'impression que stratégiquement, c'est intéressant de faire des gros braquages, de faire des trucs comme ça. Mais c'est que la plupart des gens, en vrai... Des gens, des vrais gens, hein, des humains qu'on croise tous les jours et qu'on aime, bah, ils aiment bien l'ordre. et ça les rend fous de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être violentées ou autres. C'est aussi ça à prendre en compte. C'est marrant parce que c'est aussi un peu un gimmick de pas mal de films où justement t'as des gens qui vont aller braquer sous couvert de Robin des Bois à vouloir voler les riches, etc. Et le truc tourne mal. Enfin, dans beaucoup de films, c'est ça. C'est on veut faire les choses bien, on veut éviter de tuer des innocents ou quoi que ce soit. Il y a toujours un pet de travers qui fait qu'au final, l'action finit dans le drame et les choses ne se terminent pas bien. Ne serait-ce que le plus gros exemple, là, c'est la série
Casa de Papel, quoi. J'ai jamais vu cette série. Elle est incroyable. Les gens en parlaient trop, ça m'a pas donné envie de la voir. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais je l'ai dévoré une fois que j'ai été dedans, en vrai. Bah, je te fais confiance, j'essaie de regarder un épisode après un épisode de ça. Bon, après, moi, j'ai mon petit guilty pleasure, ça me fait juste kiffer de les entendre s'insulter en espagnol. Ah bah d'accord. Parce que, je les comprends, puisque je suis bilingue, donc... C'est assez drôle pour moi de les entendre parce que c'est super mal traduit, mais c'est hilarant de les entendre s'insulter en espagnol. Now we know that when they say we are being released, we are being transferred to some other prison to go and die. And that ends today. There is one way. Cassian et ses co-détenus comprennent qu'ils mourront en prison et que leur seul espoir est de tenter de tous s'évader. Incroyable. Voilà, voir une fois cette scène. Ça fait trop peur. Mais ça, c'est le genre de scène, je peux pas les voir dans les films parce que j'ai trop peur qu'ils crèvent. Je suis trop avec eux, vous voyez dans ma tête. Peut faire écho à l'insurrection du camp de Treblinka. T'as coupé juste un moment. Treblinka était un camp d'extermination nazie où furent assassinés entre 700 et 900 000 personnes, essentiellement des juifs. On va pas tout spoiler. Outre ceux qui étaient gazés dès leur arrivée, environ 1000 prisonniers juifs étaient gardés en vie pour travailler sur le camp. Parmi ces prisonniers se forme un mouvement de résistance qui a pour but d'organiser une insurrection dans le camp pour en prendre le contrôle et permettre à tout le monde de s'enfuir. Après des mois de préparation et un report de la date prévue initialement, les détenus décident de lancer l'insurrection début août 1943. En effet, ils constatent qu'ils ont de moins en moins de travail et se doutent donc que le camp va bientôt être fermé et qu'ils seront liquidés. C'est donc leur dernière chance de s'en sortir, un peu comme les prisonniers de Narkina 5. Le 2 août, les détenus profitent du fait qu'une partie des gardiens soit partie profiter de leur journée de repos pour aller nager dans une rivière voisine et lancent leur attaque. Ils s'emparent de fusils et de grenades et attaquent la porte principale, pendant que d'autres escaladent les clôtures. C'est un massacre. Sur les 700 juifs qui participent à l'insurrection, seuls 200 parviennent à s'enfuir. Sur ces 200, seuls 70 parviennent à échapper à la poursuite et à survivre jusqu'à la fin de la guerre. Outre le fait de se faire s'évader des détenus, un des buts de l'insurrection était de pouvoir faire connaître au reste du monde ce que les déportés avaient vécu et ce qu'ils avaient vu. Ainsi, un des évadés, Jankel Wiernik, parvint jusqu'à Varsovie où il écrit un rapport intitulé « Un an à Treblinka » sur son expérience. Environ 2000 copies furent distribuées clandestinement en Pologne et la résistance polonaise le fit parvenir jusqu'à Londres. Cette volonté de faire connaître au monde les horreurs vécues, on la retrouve dans la série Endor à travers le personnage de Melchi qui se donne. Mais ça existe des exemples de gens qui ont pu s'évader d'un camp, enfin de groupes qui. Il y en a quelques-uns, ouais. Très peu. Et à chaque fois, c'est toujours des histoires complètement dramatiques. Treblinka, c'est vraiment le camp d'extermination par excellence. Il n'y a quasiment personne qui en a réchappé. Donc là, l'exemple qu'il donne est assez marquant. Et dans l'autre parallèle qui peut être fait, c'est aussi avec le ghetto de Varsovie. C'est-à-dire que le ghetto de Varsovie, il a été voué à complètement disparaître. Et la révolte du ghetto, c'est cet ultime sursaut de vie des personnes qui étaient à l'intérieur et qui se disaient, bon, ben, de toute façon, on va mourir. Donc, on se bat jusqu'à la dernière minute et on meurt au moins l'arme à la main, quoi. Oui, là, même dans le ghetto de Varsovie, il n'y a même pas d'espoir de s'enfuir. Parce que Treblinka, il y avait quand même cet objectif de réussir à s'enfuir et à dire ce qui s'est passé. Là, le ghetto de Varsovie, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, c'est un last stand. On prend les armes et puis on va aller faire chier le plus qu'on peut pour partir en combattant, quoi. Mais là, pour le coup, il n'y a aucun espoir parce que ils sont dans une ville, dans un ghetto qui est déjà complètement fermé. Et en plus, ils savent que les chars arrivent et que ça va être la fin de... Ah oui, et puis je crois que c'est en 42... ou 43, mais en tout cas les soviétiques sont très très loin encore, donc c'est même il n'y a même pas un espoir d'être libéré par une autre armée ou quoi. C'est vraiment voué à l'échec, quoi. Là, mourir, oui, mais mourir de façon digne, c'est quand même mieux. C'est ça, voilà, c'est ça l'idée. Après, il y a des... Alors, ça y est, je n'ai plus son nom, mais il y a un témoin, celui qui a alimenté notamment les récits de l'énorme reportage Shoah,
qui avait réussi à rentrer dans le ghetto, voir ce qui s'est passé pour pouvoir en témoigner auprès des démocraties occidentales et qui a été jusqu'aux États-Unis, il me semble, pour reporter l'affaire, mais qui a mis un temps monstrueux à être entendu et surtout encore plus à avoir une réaction des gouvernements américains, anglais, et, parce que les gars n'étaient pas prêts et puis ils considéraient que ce n'était pas la priorité, quoi. Bah, puis surtout, pourquoi tu veux... pourquoi tu veux que... que des États qui ont une partie de responsabilité dans l'extermination d'une population le prennent ça en compte. Ouais, c'est... Stalingrad aussi, ouais, tout à fait. Il y a un peu de ça dans Stalingrad aussi. Donne cet objectif une fois hors de danger. Somebody's got to tell people what's happening down there. We need to split up. Double our chances. One of us has to make it. People have to know what's going on. Pour finir, revenons sur le final de la série. Désolé. On a déjà vu que le show avait pour but de raconter comment une révolution naît. Eh bien, avec ce final, on y arrive, la naissance de la révolution. Alors bien sûr, il y a déjà des activités rebelles avant. Mais là, on arrive à un moment où ce ne sont pas des militants qui lancent des opérations discrètes contre l'Empire, mais une population civile qui s'oppose frontalement, violemment et publiquement à l'autorité impériale. Revenons sur ce moment. Marva, une membre éminente de la communauté de Férix et qui ne cachait pas ses sympathies pour les rebelles, vient de mourir. On lui organise donc des funérailles. Et ces funérailles se transforment en un acte d'opposition à l'autorité de l'Empire, presque une manifestation, avant de tourner à l'insurrection. Cette musique, elle m'est restée en tête tellement longtemps. Moi, je l'aime tellement. Et là, c'est très intéressant car on retrouve une pratique très courante en France au cours du 19e siècle, celle des enterrements d'opposition. Ce rituel se développe dans les années 1820, à l'époque de la restauration de la monarchie. Lorsque les funérailles d'un opposant politique au régime ont lieu, cela permet à tous les opposants de se rassembler, de se montrer, voire de protester en toute impunité. C'est un moyen de contestation majeur au 19e siècle, particulièrement utile sous les régimes autoritaires où le vote n'est réservé qu'aux plus riches, en plus de n'être pas super utile, et où les manifestations comme on les pratique aujourd'hui sont absolument interdites. Les funérailles en revanche sont difficiles à interdire, et c'est pour ça qu'elles sont régulièrement détournées en actions d'opposition. On considère généralement le premier de ces enterrements d'opposition comme celui du jeune étudiant Nicolas Lallemand, tué par les forces de l'ordre en juin 1820. Mais la pratique se popularise vraiment avec les funérailles du général Foy en novembre 1825 qui attirent environ 100 000 personnes. Ces enterrements se caractérisent en général par un deuil ostentatoire, des slogans et une oraison funèbre transformée en discours politique. Des éléments qu'on retrouve aussi dans les funérailles de Marva dans la série, même si, la technologie permettant, le discours est ici donné par la défunte elle-même. There is a darkness reaching like rust into everything around us. We let it grow, and now it's here. It's here, and it's not visiting anymore. It wants to stay. The Empire is a disease that thrives in darkness. It is never more alive than when we sleep. Comme dans la série, le cadre des enterrements politiques du 19e doivent être négociés avec les autorités. Dans la capitale, c'est la préfecture de police de Paris, en concertation avec la famille, qui va établir le trajet du cortège. On va généralement préférer un trajet plus court, parfois en faisant en sorte d'éviter les quartiers populaires dont on craint l'agitation. Ces funérailles concernent d'abord essentiellement des députés, ex-députés ou des généraux connus pour leur opposition au régime. Et puis, elle concerne de plus en plus de journalistes et de militants victimes de répression à partir des années 1830. Cette pratique est une des étapes qui donnera plus tard les manifestations classiques que nous connaissons aujourd'hui. Les funérailles historiques qui ressemblent le plus à celles de Marva sont probablement celles du général Lamarque, le 5 juin 1832, sous la monarchie en train de dire le climat de tension est alors extrême. C'est important ça pour le coup, t'es en train de dire dans la vidéo que ces moments de funérailles et de... Enfin, ces processions funéraires avec un propos politique qui donne nos manifs actuels. Ouais, c'est un peu une étape avant ça, ouais.
Parce que c'est une procession, ça ressemble vraiment à une manif, quoi, tu vois. C'est une procession à travers la ville, et puis il y a des slogans, y a des discours et tout ça. Donc, la seule chose qui change, c'est qu'on ne trimballe pas un mort, quoi. Mais ça ressemble un peu. Ouais. D'accord, bah c'est super intéressant. Ça, c'est vraiment l'info du jour. C'est l'info du jour, l'info simple à retenir. Les forces de l'ordre sont présentes massivement et font peser un climat menaçant. Les rumeurs vont bon train. On parle d'un projet d'insurrection, à la fois chez les opposants, mais aussi parmi les forces de l'ordre. On parle également d'arrestations de militants républicains. De nombreuses micro-violences émaillent le cortège entre les opposants et les forces de l'ordre qui refusent de retirer leur chapeau en signe de respect au passage du cortège. Sur le pont d'Austerlitz, ça dégénère et les funérailles se transforment en insurrection en bonne et due forme avec affrontements, établissement de barricades, etc. etc. L'insurrection est finalement écrasée par les troupes royales et la garde nationale, comme celle de Férix dans la série. Si cette insurrection lancée à la suite de funérailles a peut-être inspiré Tony Gilroy pour Endor, elle a inspiré une autre œuvre de fiction célèbre, Les Misérables de Victor Hugo, puisque c'est lors de cette insurrection que se déroule une partie du roman. Et oui, les révolutions manquées, par leur côté tragique, font de l'excellent matériel pour les auteurs de fiction. Alors, bien sûr, je peux me permettre juste un petit truc. C'est la scène de Andorre où on se dit enfin que les Star Troopers, les Stormtroopers, pardon, savent tirer. Oui, c'est vrai. Quand c'est pour tirer sur des manifestants, bah super. Voilà. Bah j'ai envie de dire, on a les mêmes forces de l'ordre. Hein. C'est un peu de ouais. Ça, ouais. C'est-à-dire que c'est pour la première fois, on commence vraiment à avoir peur des Stormtroopers et de l'Empire, quoi. C'est-à-dire que dans les films, dans les combats, très souvent, bon bah tu vois les héros qui sont jamais touchés, qui se prennent jamais une balle. Ça a l'air hyper simple. Même dans Mandalorian, il y a des scènes quand même où tu te dis ils sont vraiment nuls les Stormtroopers, c'est pas possible. Mais là, c'est un peu plus inquiétant quand même. Ah bah c'est comme les vrais flics, hein. Ils sont nuls à chier, sauf qu'on sait pour tirer sur des vrais gens. C'est ça. On et de multiples références historiques ne suffit pas à faire une bonne série. Le show a pour atout des performances d'acteurs et d'actrices de grande classe et des plans qui tabassent sévère. Mais l'inspiration puisée dans l'histoire politique de notre monde donne un vrai sens du réel au monde de la série et aux luttes des personnages. C'est pour ça que ça marche aussi bien, et c'est pour ça que plein de scènes me filent autant d'émotions. Je suis en colère quand les personnages subissent de l'oppression, et j'exulte quand enfin ils se révoltent contre leurs oppresseurs. Toute cette histoire me parle parce qu'elle est puisée au sein de notre histoire et de ce qui continue d'émailler encore l'actualité. Et c'est comme ça qu'on peut se servir de l'histoire pour réaliser une excellente série qui n'a pourtant rien d'historique. Un grand merci à Bolshevik et Kate pour leur participation à cet épisode. Si par hasard vous ne connaissez pas leur chaîne YouTube, je vous en supplie, allez la voir. Ça parle de pop culture sous un angle politique et social, et c'est absolument Kate, passionnant. C'est une personne qui... Très clairement, une de mes chaînes favorites sur YouTube. Ouais, c'est sa compagne. Ce sont des grands fans de Jurassic Park, donc évidemment, ce sont des gens de goût. À la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de faire comme John Hammond. Il en manque 50! Il en manque 50! Allez liker cette chaîne! C'est ça, 50. Alors, moi, ce que je vais vous proposer aussi, merci beaucoup. C'est de lancer au moins une vue. Ça va l'aider au référencement. Et ce que je vais faire. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Merci je vais beaucoup, Scorch. Je le fais avec vous. Hein. Je simp. Inférieur à 3. Point d'exclamation. Bon bah maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, Coxinois. T'as une série à regarder. Ouais. Je. On va dire que je m'y engage officiellement. On va dire. Est-ce on va dire. Ah bah ça s'est dit en live, là tu t'as plus le choix là. Ouais. Fais gaffe dans une semaine interrogation écrite. Hein. Parce que j'ai envie de dire, les gens qui s'engagent à la télé à faire des trucs et qui le font pas derrière, c'est des macronistes. Hein. Oh voilà, je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux de cette information. Putain. Tu prononces comment Star Wars déjà? Star Wars, moi je dis Star Wars. Star Wars. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Une dernière question, les gens dans le chat? Parce que tu vois,
Robin, tout le monde y a kiffé, là. Bah, c'est super, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que nous quitte un dernier truc à dire? Enfin, au-delà du fait que je valide complètement, excellente vidéo, super approche, très pertinente. J'ai appris plein de choses ce soir et je suis super contente. Merci beaucoup. Je trouve ça aussi très bien la façon dont tu as amené le truc. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vu la série peut en effet être spoilé, mais je pense qu'il y a. En fait, plus ça lui a mis l'eau à la bouche que ça l'a spoilé, parce que vraiment, il n'a pas montré les meilleurs moments de la série. Et il y a des moments, mais qui te filent les poils, et rien que pour ça, je recommande, quoi. Ouais, j'ai essayé de me retenir. J'ai pas pu me retenir, Non, non, ne mais. pas montrer tous les mais. Tu vois, y a un peu de one way out quand même et Ah tout. ouais, non, mais complètement, quand Et taper tu. du fasciste avec une brique, mais. T'as certaines scènes, tu les as cutées juste au bon moment où tu disais ah! Ouais. Toi, quand tu sais ce qui se passe après, tu fais ah! Mais ouais, parfait. Parfait. Il y a Wai qui est motivé en plus. Ah bah écoute, super, super. Moi Moi, je la recommande. Hein. si tu fais une vidéo genre sur FF14, je sais pas si tu y joues, mais faut y jouer exprès pour faire une vidéo sur mesure sur. Ça prend un peu de temps aussi Non, à non. faire une Non. série, c'est une dizaine d'heures, ça va, mais Ça va, FF14, le scénario de base, ça doit te prendre, je sais pas, 3 mois. C'est pas long. Ça va alors. Ça lui a pris 3 mois à peu près de recherche, plus, c'est Ouais, ça? 2 3 mois plus un mois tournage montage, etc. quoi. Oh, c'est En balèze. gros. C'est trop trop Il cool. y a quelqu'un qui demandait des vidéos sur Star Trek. Oui. Je n'ai rien à Star Trek, malheureusement. C'est marrant, on est soit Star Wars, soit Star Trek. Mais C'est moi, pourtant, pareil. je ne le suis pas. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment antagonistes, tu vois, genre en mode ah non, l'un c'est bien, l'autre c'est nul. Moi, j'ai pas d'a priori. Mais les seuls trucs que j'ai vu Star Trek, c'est les films de Abrams et j'ai trouvé ça bof. Ouais, on est Il d'accord. y a sans doute des choses à. D'autres choses plus intéressantes, mais il faudrait que je m'intéresse, que je prenne un peu de Ça temps prend pour du voir. temps, hein, parce que là, pour le coup, c'est des séries entières à se taper, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est c'est ça. qui confirme, hein. Les deux, c'est bon. Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc, du coup, Robin? Merci beaucoup à Wai, là, qui a dit que c'était une dinguerie. Merci beaucoup. Ah, cool. Bah, du coup, non, mais merci d'avoir organisé ça, mais c'était cool. C'était cool, ça fait plaisir. Et puis, bah, franchement, j'avoue que ça fait plaisir d'avoir des retours en direct de gens qui et tout, parce que ça fait plaisir. Et bah, parce que tu vois, par exemple, typiquement, là, c'est pas le cas avec cette vidéo-là qui marche pas mal, mais tu vois, par exemple, la vidéo, les vidéos que j'ai montrées la fois dernière sur les femmes soviétiques dans l'armée, ça a bidé de ouf, tu vois. Mais ça, c'est incroyable parce que Tu vois, la deuxième vidéo, c'est la vidéo la moins vue de ma chaîne. c'est n'importe quoi. Ça me rend fou parce que pour ah ouais, 1,7 quoi. Ça me rend vraiment fou parce que c'est incroyable à la fois le travail qu'il y a, le ton qui est juste. T'as un propos féministe, mais tu vas pas genre jouer les prophèmes libéraux insupportables non plus, tu vois. Robin n'est pas Ben Nevers pour ceux qui voient qui je cible. Non, et pour le coup, les infos, elles sont super intéressantes. Vraiment, pour le. Enfin, c'est. Moi, ça me rend fou. Donc, je vais vous donner le lien de la première pour que vous puissiez enchaîner sur la deuxième. Mais du coup, voilà, ça fait plaisir d'avoir des retours positifs, quoi, parce que des fois, quand on bosse beaucoup dessus, pour le coup, sur Bah ouais. les vidéos sur les femmes soldats, j'ai bossé encore plus que ça. Enfin, je pense facile 2 fois le temps que j'ai mis pour la vidéo d'Andor. Oh, mais c'est bien, moi je manquais un petit peu de contenu là, enfin je dis ça, c'est même pas vrai, mais je sens que je vais avoir encore un truc à regarder, mais je pense que je vais les partager aussi parce que je connais d'autres personnes que ça peut grave intéresser. Super Ah bah intéressant. super, c'est gentil. On va les atteindre les 15K, t'inquiète, on va Ça les atteindre. va venir, ça va venir, ça va venir. Non, mais c'est pas vrai que des fois, ça, tu vois, ça peut paraître un peu de dire ah, je veux les vues, mais c'est juste que bah, Ah, quand ça on aide, bosse hein. beaucoup dessus, on a envie que ça soit vu, quoi, tout simplement, Bah oui, et puis c'est pas parce grave que de vouloir des vues, hein. je fais pas ça pour l'argent, parce que si je faisais ça, j'aurais arrêté depuis très
Et Non, d'accord. tu m'étonnes. Non, mais je comprends tout à fait ce que le but recherché, et c'est tout à fait louable, hein, t'inquiète pas là-dessus. C'est normal, hein. Voilà. Et puis Et moi. surtout que tu vois, c'est une histoire qui m'a. Tu vois, le coup des. Andor, c'est une série qui m'a touché, donc j'ai envie que les gens en voient. Et du coup, quand il y a des gens qui disent, ah bah ça m'a envie de regarder, bah ça me fait trop plaisir. Et tu vois, sur les femmes soldats, c'est des histoires qui m'ont vraiment estomaqué quand j'ai fait mes recherches dessus. Et Et du comment coup, t'en es arrivé justement à bosser j'ai envie que là-dessus? ça se voit, quoi. Sur quoi? Sur Andor ou sur. Sur les femmes soldats, parce que bon, Andor, si on a kiffé la série, forcément, on a envie de fouiller, mais Dernière question, hein, parce qu'après, il est ouais, tard. ouais, t'inquiète. Bah, tout simplement parce que j'ai pour le travail, j'ai réalisé une vidéo sur une snipeuse de l'armée rouge. D'accord. Et j'ai dit, bah, c'est pas mal ça, je ferais bien une vidéo sur ma chaîne à moi, parce que c'était un truc de 3 minutes, un truc assez court. Je ferais bien un truc un peu plus gros sur les snipeuses. Et puis en cherchant un peu, on m'a conseillé un bouquin où il y a tous des témoignages qui ont été recherchés sur. Pas que sur des snipers, sur toutes les femmes qui ont participé à la guerre. Et du coup, je dis, ah, mais en fait, il y a plein d'histoires autres que les snipers. Et du coup, je dis, bah, je vais Mais étaler un petit peu. ça, t'en Ah, as ok. parlé sur la première fois, t'as répondu à cette question plus d'autres en détail, la première fois où t'es venu. Donc, s'il y a des gens, Oui. vous allez sur la chaîne Coxinou, comme moi, c'est bizarre. C'est là où je mets tous les replays. Alors là, pour le coup, on est loin des 15 000, hein, abonnés, vu que personne ne s'abonne. N'hésitez pas à follow tout ce qu'il y a à follow, ça, je ne vous en voudrais pas, au contraire. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité, d'inviter des personnes comme Robin plus régulièrement. Du Et coup. alors, tu me permets, parce que Scorch t'a posé une question. Ouais, j'ai vu la vidéo de Bolche Geek sur le cyberpunk. Moi, j'ai rien à rajouter dessus parce que je connais pas grand-chose de cyberpunk. J'ai pas trop de. J'ai rien de pertinent à rajouter dessus, mais sa vidéo est très chouette. Donc, bah, comme toute sa chaîne, hein, c'est vraiment. Ce que je disais à la fin de la vidéo, c'est pas pour le remercier d'avoir participé. C'est vraiment, tu vois, c'est un des rares personnes sur YouTube français à qui je donne de l'argent, tu vois, pour soutenir le travail et tout. Donc, je crois vraiment dans sa chaîne et dans ce qu'il fait. Non, il est bien, il est bien. Non, c'est très bien ce qu'il fait. Carrément. Donc je vais devoir vous dire au revoir tout de suite. On se retrouve Oui. demain, donc même heure, 19 h 30. On va parler du traitement des violences sexuelles par la police. On aura, je vous laisse la surprise, un journaliste spécialisé dans la question qui sera là avec nous. Alors le sujet va être lourd. Voilà, je vous préviens. On vient aussi pour s'énerver, pour crier et pour Je essayer vais de m'énerver et comprendre je vais comment ça crier. marche. Donc merci encore une fois à Nouki, suivez la chaîne de À Nouki. vous. Merci beaucoup Robin, merci à Merci à vous. toi. C'était trop trop cool. Des gros bisous à tout le monde. À demain. Prenez soin de vous. Merci le chat. Merci à Ciao tout tous. ça.